Salut tout le monde, bienvenue au Reviews Metal-Minded, ce soir en belle compagnie. Euh, Max, Doc Poivre et Georges, comment ça va, messieurs? Ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Oh yeah! Ça <laughs> va bien, toi? C'est beau, ça. Les Mind 2 et Sergent Poivre. Oh my God! C'est malade! C'est bien beau. Euh... J'ai Je... le plus beau soute. T'as vraiment le plus beau Non, c'est pas vrai, Georges. Georges a le plus beau soute. Ah, Quand même, c'est très, sont très beau. Ils sont tous beaux. Hein. On est tous beaux à égalité. Oui, je dirais que le plus beau, c'est le fond. Le fond jaune pisse. Parfait. Oui, c'est parfait. parfait. Avant la vedette au reste. Bucket of piss. Ouais. <laughs> Donc, on va faire un tour de table. Les choses sérieuses. Qu'est-ce qu'on consomme ce soir? Donc, docteur Poivre, qu'est-ce que tu consommes ce soir avec nous? Nouveauté, découverte, brasserie, alchimiste. Brasser la nodière, IPA au betterave. Première fois que première fois que je l'essaye. C'est une découverte. J'ai pris ça au hasard. On va voir, on va voir de, de quoi je ça va. On va voir la couleur surtout. Est-ce que ça va être couleur betterave? Ouh. On va voir ça. ça on l'a bien fait. entendu. Ça a failli faire un, un gueux. Ah, ah non, oui. je suis déçu. Ben oui, c'est Je suis que ça allait être couleur. Comme de... comme je pensais que ça allait être vraiment foncé. Ça a ouais, l'air rafraîchissant. Oui, ça doit. Ouais. Mais ça va bien dans ton verre de sang de gobelin, genre. C'est vrai, oui, vrai, ça, fit. ça fit le verre. Et Et donc, que Georges, tu... qu'est-ce que tu consommes ce soir avec nous? Euh, pas grand chose, mais c'est couleur betterave, betra, hein, mon reste dans la thématique, du vitamin Water, man. Du bon jus. C'est tellement bon du vitamin Water, pour vrai, là. Surtout, c'est le triple X que tu as là. Oui, oh, oh, ça prend du cul, tu sais. oh, ben Oui, oui. c'est le meilleur. C'est le meilleur. So, so, même. Max, qu'est-ce que tu consommes/slash le jus? <laughs> ah, ben regarde, je bois de l'eau, mais le, dans le, le super segment le jus à Jess, on y va avec euh, la double fruit ou encore la bière aux Fruit Loops qui est en réalité une sour framboise, fraise et vanille de microbrasserie Nouvelle France avec un super artwork super coloré. <laughs> yeah. Très Fruit Loop. Mm -hmm. euh, oui, oui, avec Sam le Toucan euh, steampunk dessus. Moi, j'y vais euh, avec une session IPA, 4.2 la sabro laser de Les Grands Bois, avec un artwork ultra rétro, 70s, 80s style. Très, très cool. Euh, ils ont toujours des belles descriptions assez comiques euh, sur leurs bières. Grands bois font des super bonnes bières, euh, sont à cinq casimir Donc, okay. je, je commence par celle-ci. je J'ai jamais entendu parler de ce micro-là. Euh, en fait, en ce moment, il y a une émission qui passe à Historia qui parle de l'industrie brassicole au Québec en général incluant microbrasseries, euh, distilleries, tout ça genre. Puis euh, les grands bois sont dans cette émission là, puis ils ont comme un, un boom en ce moment à cause de ça, mais c'est une brasserie qui est vraiment intéressante, ils font des superbes recettes. Si vous connaissez pas les grands bois, allez vous en acheter, c'est tout le temps très bon. Euh, donc, bien sûr, avant de commencer l'épisode, on va faire un petit tour à nos sponsors et partenaires. Donc, bien sûr, on a une petite coalition de, de poilus et de gens obscurs avec euh, Horror FM, Puy of Destruction, Crypt of Dr. Gore, Kessa Chrysella et Doc Poivre ici présent ce soir. Donc, euh, allez, like, subscribe à toutes ces chaînes-là, donnez-leur du love, de l'appréciation. Juste un petit clic à subscribe, c'est facile, ça ne coûte rien à personne. Subscribe, follow pour les Twitchers là, comme Doc Poivre. Là. Ouais, mais je veux dire, les gens obscurs, ils tiennent des ruelles comme Doc Poivre. Oui, ça, c'est tiennent des ruelles. Toujours. Puis, euh, bien sûr, euh, nos sponsors, euh, on les aime. Allez voir tous leurs projets. Tous les liens sont dans la description de la vidéo YouTube. Donc, on commence avec le premier groupe ce soir et je nomine. Abby Normal, groupe qui existe depuis 2017, classé dans le death metal grindcore. Ils viennent de l'Italie sur le label Ad Noctem Records. Discographie deux full les membres du groupe sont à la bass Marco Comini, au drum Luca Paciotti, à la guitare Max Mastrelli et au vocal et keyboard Eric Viani. Euh, L'album qui s'intitule Grind Hotel, sorti le 23 mars 2023, 15 tracks pour 26 minutes 42. Sur cet album, euh, au recording, Frederico Lino, mixing mastering par Carlo Altobelli et covered par David Cianza. Les versions CD et digital. rien de compliqué. Donc, euh, vu que c'est du, euh, du grind, on va, on va laisser Georges commencer là-dessus. Vas-y donc, mon Georges. Oui, euh, bah, du grind. Euh, moi, je trouve que le titre est très trompeur, là, euh, parce que je n'ai pas trouvé grand-chose à grind là-dedans, pour qu'il y avait du blasphème. Personnellement, c'est beaucoup plus autour du slam brutal dette pour moi, que quoi que ce soit de grindcore, quoi qu'il y ait une petite touche là, dans la brutalité ou dans l'exécution. Mais pour moi, ça m'a bien plus fait penser à Dans, à dans Vague, Be Nighted, Decapitation ou Aborted, tristement plus que quoi que ce soit de grindcore. En fait, j'enlèverai complètement dans la description du Ben le mot grindcore là, parce que c'est vraiment du brutal d'être. Tant qu'à moi, là, que c'est pas péjoratif de dire ça, c'est juste que ce n'est pas, pas du grindcore. Point barre, c'est juste ça, ce n'est pas grave non plus. Euh, C'est très slam aussi, là, dans la description, des astides grooves assez élevés assez et assez tueurs. Euh, la son est bon, la prod était bonne. Je t'ai nommé le gars qui a enregistré tantôt, Chris de Bell Job Il euh, y a la base, par contre, l'instrument, je sais que le, le son est bien élevé, mais la base en tant que telle est fucking inexistante euh, Là, je l'ai dit, il y a des bons grooves. J'ai trouvé qu'il y avait des originalités assez bizarres, inattendues parfois dans les chansons. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué des genres d'interludes progressifs ou des, des bridges bizarres avec du clavier ou avec des, des, des vocales une euh, clean semi symphonique que d'un fois ça fitait, d'un fois moins. Euh, ça dépendait des bouts. D'un fois, il y avait même des petites passes un peu plus tech death si on veut. Là, on voit que le guitariste euh, est quand même assez bon. Il dit un bon solo. Des riffs originaux aussi. Les chansons sont crissement courtes en général. J'étais surpris. Euh, je Il y en a une qui pogne la trois minutes, je pense même pas. Oui. Ouais. Oui. Il okay. y en a une. Je pense qu'il y en a une, oui. Ouais. c'est vraiment quand même assez court en général. Euh... La voix principale a fini pas par me déranger, mais le chanteur est bon, mais je l'ai trouvé monotone. Tu comme tout le temps là, tout le temps à la même place en fait dans son dans son range, dans son range vocal, assez pas mal sans même note. Euh... Si, c'est pas drôle parce qu'il y a des tunes que je trouve, c'est rare qu'on dise ça ici, qui auraient gagné cette fois-là être allongées peut-être. Certaines étaient tellement courtes, c'était tellement des, patter des patterns plus de métal qui, qui étaient comme pitchés comme une tonne de grindcore, mais c'est dans le sens que la tune, d'une une minute et demie, mais Chris, un espèce de riff à la suffocation qui demanderait peut-être un 2,33 pour le vivre comme il faut. Fait que c'est rare, ça arrive en tabarnak, mais c'est comme un plus un bend de dette qui ça y le traduire en grindcore, mais juste, juste sur la durée, là, pas sur l'exécution, je sais pas trop. Fait que moi ça m'a fait bizarre, sur ce côté-là. Euh, pis les affaires qui clachaient trop aussi, là, comme le clavier, les voix d'opéra, les interludes prog, des fois que une coupe de fois que ça a fait beau, mais une coupe de fois que ça faisait juste comme what the fuck, tu sais comme si mon, mon YouTube <laughs> Mon YouTube venait de flusher ailleurs. C'est comme si. Euh, je sais pas, à un moment donné, j ai, j ai, à j'ai levé la tête, je m'attendais à voir euh, Chris et Demon Wizard de Blue Oyster Cold qui vient de décoller. Chris, non, ok, c'est bon. Non, c'est le même album, mais j'étais sûr man, que ça avait changé de ban. Euh... Tu sais, c'est le genre d'album moi qui m'a fait un peu le feeling. tu Je serais été au magasin avec ma blonde, je envoyé par les apôtres puis « toi Tu sais, genre de quoi même même. Euh, c'était quand même divertissant, mais c'était pas assez focus. Tant qu'à moi, ça, ça, ça se voulait peut-être être quelque chose que c'est pas, puis ça, ça focusait pas assez sur ce que ça aurait dû être en fait. Puis euh, moi, ça me, ça me pas. Ben, J'ai aucunement détesté mon expérience, mais j'achèterais pas ça, je retournerais pas là. En, en plus, on être fait vendre un peu comme du Grind Dead, ce qui est fucked. Pas ça, pas en tout, elle est pas ça dans ce sens-là. C'est vraiment pas ça, là. on est vraiment brutal, dette, slam, c'est vraiment là. là c'est Même la production est vraiment dette metal, elle est très de qualité. là Mais c'est un super bon ben, sûrement du monde va mieux le gérer que moi. Euh, mais c'est ça, il y a trop des affaires qui vont. des détails qui vont gâcher le positif. C'est okay. des affaires qui auraient pu bonifier l'expérience en général, mais. Euh, j'ai trop j'ai trouvé de What the fuck, de causse! Ils des espèces de réaction de même tout le long. Puis, euh, non, ça, ça, ça sentait, c'est comme, comme un ben en SPM constant. Là, ça tourne à gauche, ça tourne à droite, ça va au milieu, ça recule, ça avance, ça se ça sait plus, C'était comme un peu ça. Fait que euh, c'est ça. La fille elle est belle, mais est man, elle, elle va partout en même temps. Elle est presque en train de s'ouvrir sur place comme une pelure d'orange. T'es comme Chris, non, non, à un c'est beau, là. C'est un disque, ça spin sur un point central. Ça tourne autour, tu sais. All right. Autour du même, tu sais, ça mène à ce ce band-là m'a un peu étourdi, en fait, là. Mais quoi, qu'il y avait plein, tu ça. un petit bon guitariste, entre autres, par exemple, qui, qui, qui fait des crises de bons solos, des astuces de bon riff, riffs, mais non, euh, ça, je pense que ça le prendrait peut-être un peu de vivance, quelque chose du genre, son tête hyperactif ou euh, TDOH, euh, Spec de l'autisme, quelconque, euh, sûrement, là, parce que ça va trop partout, là. All right. Euh, Max donc là-dessus qu'est-ce que t'as pensé de Grind Hotel qu'est-ce que je dis de plus après qu'est-ce que je dis après ça Chris euh... <laughs> en partant vous, vous, vous le savez je... c'est pas ma tasse de thé c'est comme euh... j'aime le Brutal Death mais je suis assez sélectif j'aime le de cadeau des câbles genre de certaines affaires vraiment précises mais je suis arrivé là-dedans je me suis dit bon ok ouais. au moins c'est 25 minutes ça me prendra pas 1000 ans écouter ça euh... comme genre j'ai trouvé ça oui les, les keyboards là sortait de... C'était même pas genre intro keyboard, puis après ça, ça s'en va à quelque chose de plus euh, agressif. Ça sortait de nulle part. Euh, J'ai noté la tonne de Negative Vibes. C'est comme celle que l'ambiance est la plus fucking weird que pas. Puis, je sais même pas quoi penser de cette tonne-là après l'avoir écoutée. Je suis comme. C'est. C'est weird parce que l'album en entier, je l'ai écouté, ça m'a pas marqué. Il n'y a rien qui... qui a ressorti tant que ça. Sauf des trucs weird. Je ne suis même pas sûr que c'est positif ou négatif, ce sont là. Euh, J'ai trouvé que les chansons, trop, il y avait deux chansons super courtes, ça ne servait à rien. T'sais, une chanson de 12 secondes, puis l'autre de 30, il euh, n'était pas intéressant, puis ça ne pas grand-chose à mon avis. Euh, J'ai trouvé que, comme Georges a dit, il y a trop de disparités entre les tournes. On dirait vraiment qu'à un certain moment donné, tu te ramasses avec un euh, une autre band ou vraiment carrément d'autres choses avec un autre style. Puis j'ai une question vraiment importante à vous poser. Il y a une tune que ça s'écrit ça G-U-X. Ça se prononce-tu Gooch? Peut-être. <laughs> J'espère. J'espère. Je, J'espère. Si j'ai je, si un souhait avec l'écoute de cet album-là, c'est que ça se prononce Gooch. Euh... <laughs> puis c'est ça, il y a une tune qui dure trois minutes, puis je ne la prononcerai pas parce que le nom est ça de long. En gros, ça veut dire la phobie du chiffre 666 parce que je t'allais chercher, j'étais curieux. Ah oh, oui, le petit. Puis, ouais, ben c'est ça. Puis, euh, j'ai trouvé que celle-là, au moins, est intéressante parce qu'au moins, il peut avoir un certain build-up dans ce tune là une certaine structure un peu plus travaillée. Mais sinon, je, je sais pas. J'ai trouvé ça correct. C'est clair que je réécouterais pas ça, mais honnêtement, j'en pense pas grand-chose. C est, c est un, je veux dire, comme, euh, comme Doc Poivre quand il dit c'est une pochette, ben c'est un album. Là, j le, le, comment, en passant, à le commentaire de Félix m'a fait très il dit de tu peur t'es trompeur parce que c'est même pas un vrai hôtel. Ça, ça me fait rire. Me fait rire. <rire> Mais c'est tout, tout ce que j'ai à dire euh, là-dessus. Là. J'en ai pas pensé grand-chose. OK. Doc Pop. Je T'as au... pas mal été dit tout a pas mal été dit, tu vois, moi j'avais écrit euh, l'album commence, c'est une explosion directe, ça part euh, ça niaise pas, ça commence direct même chose que Georges avait dit, je m'attendais à quelque chose vraiment comme un grindcore, quelque chose comme ça je me suis vite rendu compte que c'est pas ça que j'allais avoir mais c'est correct aussi euh, J'ai marqué rapide, agressif. Les, les riffs sont bons. Euh, tu vous savez que moi, j'aime les riffs qui sont qui sont efficaces, là, même des fois des riffs même un peu stupides, là, comme dans le black metal, là, des riffs qui se répètent. Là, clairement, on n'a pas ça, mais ça l'a quand même fait euh... Comment je pourrais dire ça? Ça l'a comme. Ça a quand même fait que j'avais envie d'écouter certaines tunes sur repeat juste pour réentendre les riffs. Parce que certains riffs, je trouvais qui étaient, qu étaient bons, qui faisaient que. J'avais le, le, le goût des remettre, j'avais le goût des réécouter vu que les chansons duraient euh, maximum une minute, une minute et demie. Là. Euh, production super bonne, même des fois peut-être un peu trop bonne. Peut-être qu'on aurait pu aller vers une production un petit peu plus sale, un petit peu plus euh, noisy pour, euh, pour le genre, mais tout est honnêtement quand même bien. Euh... Euh, bien mixé, là, ça donne un bon, 25 mi un, un bon 27 minutes, là, mais c'est un 25 minutes là, euh, sans, sans trop de repos euh, non plus. J'avais mis Side Note, j'aurais été curieux de lire les paroles avec un nom d'album comme Grind Hotel. Tout, tout le long, que je l'écoutais, je me disais c'est quoi un Grind Hotel? Qu'est-ce qui se passe dans un Grind Hotel? On le saura probablement euh, <laughs> jamais. Puis euh, pour moi, c'est un, un bon album, même si ce pas un style que j'écoute quotidiennement. C'est sûr ça, ça réinvente pas la roue. On est pas, moi, je m'attendais vraiment à un album de, de grindcore. Fait, les comparaisons que j'ai, vu que ce n'est pas un style que, que j'écoute tant que ça, c'est genre Worm Rot ou euh, Libranos del Mal. Fait, on est loin de, de là. Loin, loin, loin. loin fait, on, on dirait qu'il a fallu que je re -shift un peu mon, mon opinion du, durant mon, mon écoute. Mais euh, honnêtement, je pense que ça pourrait, dans le genre que c'est, ça pourrait aller se classer quand même assez haut pour, euh, pour moi. J'ai quand même apprécié mon, mon écoute, mais peut-être pas peut-être pas de, de là non plus à écouter ça tous les jours, toutes les semaines. Une fois de temps en temps, tu as besoin de ta, tu sais, de, de, de ta dose de heavy, quelque chose de dumb un peu. Tu écoutes ça, tu te promènes à gauche, à droite. Une chose, par exemple, que Georges euh, a dit, puis ça, j'ai relate beaucoup, c'est euh, tu ne sais pas trop, ça s'en va où. Des fois, on dirait que ça te shift d'une place à l'autre, d'une tonne à l'autre. Des fois, c'est dur de rester comme vraiment accroché à ce, qui, à ce qui se passe, mais overall, quand même une, quand même une, bonne, une bonne écoute. Puis je rejoins pas mal à 100% les points de, de Max et George, là, juste pour ne pas pour, pour répéter la moitié des notes que j'ai. Ça a pas mal, pas mal été dit pour moi aussi. Là. Je vais juste okay. faire un petit commentaire. Tu as mentionné Wormrot euh, tantôt. Oui. Euh, tu vois, quand on a fait la revue de His, il, mmh. il y avait des éléments un peu. Tu sais, il y avait des du violoncelle, du violon, il y avait des éléments un peu plus, je sais oui. pas symphoniques, mais ça fitait. c'est pas forcé, puis ça sortait pas de nulle part. Puis ça, j'ai trouvé que de, de, du bord de Abnormal, c'était pas mal moins bien exécuté. Là. Ouais, je pense que c'est ce qui donnait l'impression aussi, comme, euh, comme on disait, que ça, ça a l'air de se promener un peu à gauche, ouais. à droite, qui aurait besoin d'un peu de, de vivance ou Britalin pour les, pour les mm -hmm. calmer, parce qu'on on dirait qu'il y avait comme trop, comme dit il y avait comme trop d'idées, puis il essayait de cramper ça en plus dans un style grindcore qui l'est pas. Fait que là, tu essaies de, de mixer tout ça en l'espace d'une minute. Ça fait, fait fuck fest un petit peu ton affaire, mais j'ai quand même un grind C'est ça qui se passe, même en un qu se passe dans de... un. <laughs> J'ai ma réponse, je n'irai jamais. <rire> Merci beaucoup. <laughs> pour... <laughs> bon, ben donc, pour ma part, euh, tu as, as mis le doigt dessus un peu, Georges. Tu, tu sais que moi, je suis quand même fan des groupes à la Benighted, Aborted, Cattle, ces groupes-là. Moi, j'aime ça. ça c'est bandes là oui. Fait que j'ai quand même trouvé mon compte ici parce que c'est dans ce genre-là quand même. C'est pas à la hauteur de qu ce que non, ces groupes-là font mais j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter l'album. Je trouvais que, tu sais, t'as dit euh, Brutal Death, tout ça, oui, parce que ça groove comme du Brutal Death, ça slame ses bords, c'est de la musique qui va te faire head tout le long, ça va, ça va te garder quand même intéressé pas mal tout le long. Fait que, tu sais, c'est catchy pareil, même si ils shootent un peu partout c'est ça qui répète encore plus qui à faire des, des structures de tunes de trois minutes où ce que ton riff ils viennent te tarpognier après un breakdown death metal et ils te ramènent ton riff ah oui tu sais le toutes les kits ça ils le font pas mais je vois ce qu'ils veulent faire quand même euh, les keyboards oui sont un petit peu bizarres mais ça m'a jamais dérangé euh, justement as, Max t'a mentionné tantôt uh, Negative Prayer ça, c'était une un là, euh, vi euh, vibe. Elle ouais. 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 aurait pas dû être là, celle-là. Celle-là est vraiment weird. Ouais, c'est ça. Euh, je, je, je comprends pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Mais je veux dire, en tant que tel, je trouvais ça hot. Je trouvais que la prod, oui, est quand même très bien, mais elle était quand même à un certain niveau organique. Ça filait pas overproduced. Pis ça filait pas crasseux non plus. C'était au milieu. C'était comme. C'était une belle prod pour ce qu'ils veulent faire, mais s'ils veulent up leur game, soit qu'ils se cacafeille un petit peu plus, genre, puis qui deviennent vraiment plus intenses dans leur playing, ou qui se centralisent sur leur côté brutal de des beaux grooves, qui lâchent le, 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 le grind de côté. Donc, je comprends ce qu'ils veulent faire à un certain degré, mais je veux dire, comme vous avez tous dit, il faut qu'ils focusent sur quelque chose. C'est un deuxième album. Je veux dire, c'est correct. Il y a encore amplement le temps de se trouver. Moi, je trouve que c'est un super bel effort. Je ne me suis pas fait chier là. écouter ça. J'avais quand même beaucoup de fun, puis tu sais, j'avais tout le temps à la tête qu'il allait quand même pas pire. Je veux dire, live, je suis sûr que ça doit être terriblement le fun comme groupe en plus. Surtout s'ils sont un petit peu wacky ou qu'ils veulent faire des affaires un petit peu folles sur le stage, je peux voir ça comme du gros plaisir. Fait que, mais je veux dire, le vocal, il n'est pas exceptionnel. Faites bien. Des fois, tu Trop de ça, ça pourrait être intense, mais je veux dire 26 minutes, j'avais ma douche, j'étais correct, mais il n'est pas exceptionnel. Fait que, je veux dire, ils ont tout fait plein de bonnes affaires mal construites. Fait que ma, comme, la façon dont j'ai apprécié ça, c'est quand même un bon niveau, je vais le dire comme ça, mais ça aurait été crissement plus haut si c'était tout mieux construit, mieux travaillé puis ces choses-là. En fait, que, je veux dire, pour moi, il y a une bonne note qui sort de ça quand même, mais je vois beaucoup de choses à travailler, mais je l'écris dans ma liste de genre je vais réécouter ce qu'ils vont faire prochainement. C'est le, le prochain album pour moi, il est dans ma liste de je vais devoir l'écouter pour l'analyser parce que et, je vois le potentiel puis je vois le style que j'aime déjà beaucoup. Que, je suis celui qui l'a probablement le plus apprécié cet soir là ah, définitivement. C'est <laughs> cool. venu chercher quand même des tropes que j'aime beaucoup dans ce genre de musique-là. Donc, on va y aller avec euh, nos top tracks. Euh, Georges, quels sont tes top tracks de cet album? Très bizarrement, j'ai ressorti Negative Vibe parce que était tellement oh forqué qu'en fin de compte, j'ai eu du fun à l'écouter. Comme, euh, comme un peu une version euh, Death Metal de ce que Mr. Bungo pourrait faire. T'sais. OK, oui. moi, euh, ouais, c'est beau. C est, c est, elle a le fun, mais tu sais, en même temps. Euh, Be sick Puis Cynicism uh, at uh, 52 Hz. Celle-là est très cool. B Basic. Ouais. Be, Be sick Be sick <laughs> Sois, Soit malade. Oui. Max, tes Top Track. Euh, ma troisième, c'est la troisième. Ocean Trail. Ma deuxième, c'est le huitième que je prononcerai pas. <laughs> non, non, prononce-la s'il te plaît. Prononce-la. Hein, Vas-y. Vas-y. Ok. Euh, Exacozio i excontaefa exaphobia. Regarde. <laughs> oh, M'attendais à, à pire. J'ai l'impression que je me sens enfermé dans ma. On, on va, on va appeler taille. On va lui demander <laughs> de ah, le ai faire. J'ai tellement <rire> pensé. <rire> Puis euh, ma première, c'est la treizième. Je, je sais pas si c'est hateism. C'est haitisme. C'est comme hate, mais easy. ouais c'est ça. Il y avait un petit vibe un peu plus euh, keyboard, mais je trouvais que c'est pas du keyboard weird, c'est plus comme sérieux puis pesant là. Fait que je non, je l'ai bien aimé celle-là, par contre. Parfait. Doc Poivre. On oh, m'a toi, toi. Faut que toi. Ça reste, faut que ça reste. Ouais, ouais, c'est classique. ochi min mint trail. Mm -hmm. Comment? Je l'ai dit une fois, c'est assez. Je, 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 <laughs> la deux, ma deuxième, c'est The Summer is uh, Tragic. Puis ma première, c'est drôle parce que je pense que c'est Max qui parlait de la chanson euh, de 12 secondes. C'est Valzheimer. Puis euh, c'est la chanson de... de, de va, Valzheimer, ouais, c'est ça. C'est la chanson mm -hmm. de 12 secondes. Puis euh, comme note, j'ai marqué 12 secondes de, de peu plaisir, ce qui est deux secondes de plus que mon record personnel. J'aurais pris une version plus longue de cette chanson-là. Grosse Vibe Besserus sur leur album Homo Homini Brutus. Ça rentre dedans. Je l'aurais pris, mais encore là, ça aurait peut-être tué le plaisir de l'avoir plus longue aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Toute ta phrase est terriblement croche. Ça aurait peut-être tout tué le plaisir de l'avoir plus longue moi ça, je même pas noté dans ce sens-là. Comme ça, man. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. <laughs> ah, ok. Euh, Mes top tracks, euh, top 3. Euh, le numéro 15, Cynicism at 52 Hertz. que moi aussi, je trouve très hot, euh, Georges. En numéro 2, j'ai mis la 13e, Hateism. Mais moi, ma préférée, c'est la deuxième, discrimination ce que je trouve qui rentre dedans un bon 2 minutes 17, ils sont capables de compléter des riffs, sont capables de compléter un groove. c'est la première track qui t'instaure que t'es pas dans le grain core, fin compte. complètement dans du death metal groovy, brutal death, slam. Ouais. Mais moi, j'ai fait comme oh shit, je suis surpris. Je vais avoir du fun probablement parce que c'est un style que j'aime beaucoup. Fait que euh, la deuxième, Discrimination, c'est ma préférée. Donc, vos notes. Georges, quelle est ta note pour cet album? Ouais, moi, je, ouais, je donne la note de passage. 6 sur 10, parce qu'il y, y, y a du positif dans tout ça. C'est juste qu'il y a comme un foutoir de paquet d'affaires qui ne fit pas, mais quand en gros, il y, a, il y a de quoi faire de quoi être bon avec ça, c'est clair. C'est sur 10 pour moi. OK. Max? Moi, c'est un petit peu plus haut. C'est un 6.5. Je n'ai pas détesté ça, mais je ne réécouterai pas ça. OK. Doc va donner 2. <laughs> Vas-y donc, moi, donc. Pour moi, c'est un 6. C'est un 6, euh, aussi. Il a remonté au début. J'aurais dit que la note aurait été un petit peu plus bas, mais à force de, de, de faire mes écoutes et tout ça, la note, la note a même rebompé un peu parce qu'il y a une coupe d'affaires que, que j'ai trouvé quand même, quand même cool euh, aussi. Ça fait que ça finit sur un 6. OK. Ben moi, moi, j'ai pas mal plus de fun que vous autres. Là. Moi, moi j'étais à 8. J'ai hmm. vraiment oh. apprécié ça. J'ai. Mais tu sais. Ce pas un album que je vais me garrocher. Il me faut absolument le CD <laughs> ces choses-là. Mais pour vrai, je trouve que ce CD-là, je l'achète, c'est sûr. Euh, live, je veux voir ça. Parce que live, ça doit être intéressant. Ça doit être vraiment intéressant. Puis je vais rester avec des groupes assez wacky. Là. Je veux voir un show un petit peu euh, dévergondé quasiment. Quelque chose de Donc de, de fo euh, Non, moi, c'est un bon 8, une bonne écoute. Mais tu sais, je comprends absolument que ce n'est pas pour tout le monde. Puis, fiez-vous pas au fait que c'est écrit « Death Metal Grindcore ». C'est autre chose. C'est même pas un vrai hôtel. C'est même pas un vrai hôtel. C'est pour les gens qui utilisent le app Grindr. Les fake, voilà. <laughs> <Des> fake news. Les <laughs> fake news. Donc, allons-y avec le prochain album euh, qui est le groupe « Keep of Calicine euh, ».« Keep of Calicine, Calicine » qui a existé de 1993 à 2000 puis qui a reparti en 2003. Donc, un groupe qui a quand même un bon backstory. Euh, classé dans le mélodique Black Death Metal. vient de la Norvège sur le label Back on Black Records. Euh, discographie, un démo, 3EP, septième full length album. Les membres du groupe euh, sont. Là, euh, justement, lui, il fait guitare, keyboard, vocal. C'est Obsidian Claw, à la base Wizyak et au Drum Wanja Neshtan Groger. Euh, l'album qui s'intitule Catharsis, sorti le 24 mars 2023, neuf tracks pour 48 minutes 27. Sur l'album, il y a un session musician qui est au keyboard, c'est Johnny Molding. Euh, le staff, c'est Engineering Roger Is. Is Second, euh, Mixing Mastering par Linus Cornelius Cornelius Sun, et Artwork par Simon Tokieben Bossert. Les versions sont euh, CD, cassette, euh, double vinyl limited edition et digital. Et je pense que ça va être parfait pour faire commencer Max pour celui-là. Premièrement, Pay Pochette. Ouais, Merci. pochette est horrible. Oh. J'ai vu ça, puis je me disais, c'est-tu ex -deo qui vient de sortir un vidéoclip? Ah, non, mais le, le <laughs> pays, fait par Il te fait une <laughs> face en plus, hein, je ne sais pas c'est si quoi qui vient de s'asseoir mais ça n'a pas l'air d'être un point. <laughs> Probablement, ça, il doit être, ça doit être ouais. un des pics qui a ses épaules qui a tombé, s'est assis dessus. Ouais, ben c'est ça. Keep oh, euh, oui. of c'est un band que je connais depuis longtemps. Je tu les sais, ai, oui. ai découverts avec l'album Armada, je ne me souviens plus en quelle année qu'il est sorti. Par contre, je vais aller chercher ça. Euh, Armada, c'est sorti en 2006. Okay. Puis, euh, sans être un plus grand fan, j'appréciais. Ils ont sorti un album un peu weird en 2010, ça s'appelait Reptilian, qui a rajouté un peu de clean vocal puis euh, un peu plus de symphonique, mais je l'aimais bien quand même. J'ai je je avouer que, que toutes leurs pochettes sont poches. Ben, oui, mais moins que celle-là. Ah, ils sont laids. Ils, ils ont pas... OK, il y a juste leur premier full-length oui. en C'est ça que je voulais dire. Check la première. Il est très beau. Le reste, c'est ouais. tout laid. Oui, oui. Mais celle-là, ça a payé. C'est juste c'est la moins originale. Comme, paye-toi un, un artiste, si, pour te gosser de quoi, là. Moi, ouais. euh, un, un band, que c'est les membres ça a la pochette, là. Je pas un fan, pas un fan. Mais c'est ça, depuis la sortie de Reptilian en 2010, ils ont changé de chanteur. Puis je suis devenu assez indifférent par rapport à la musique depuis ce temps-là, même si on ont sorti un autre full length en 2015, je ne l'ai même pas écouté. Puis là, je me suis dit, bah, je vais peut-être retomber dans Cape of Calais, puis je vais trouver ça cool. Mais j'aime pas la voix. J'aime pas son scream. On dirait que c'est un scream limite parlé. On dirait qu'il scream pas, on dirait qu'il est juste piste. Puis j'aime pas ça. Euh, je suis le seul qui a trouvé qu'il des bouts qui sonnaient comme du Dimu Borgir, mais en moins bon. Aussi. On va dire du Dimmu Borgir Wish. Non, de, de, de BMA genre... bma de Power Metal. Là, genre, genre. Ouais, aussi. Ouais. Tu un mix de Dimu et de BMA. J'ai fait Ok. puis là, on arrive à leur, leur tourne. Euh, comment ça s'appelle euh, Journey's End. Qu'est-ce que c'est ça <laughs> Of of <coughs> qui peuvent faire une balade, mais on dirait du Ensiferum. Ah, je l'ai tellement détesté, je Non, mais il n'y avait aucun feel. Puis, c'est plat parce que dans l'ensemble, l'album sonne bien. Là, on s'entend qu'au niveau production, c'est ouais. j'ai rien à redire. Là. Mais écouté les deux premières tunes, deux trois premières tunes, je suis comme OK. Puis, à part Journey's End, qui est complètement différente, j'ai trouvé que il n'y a pas grand-chose qui se démarque. J'ai surtout là, la, la toune War of the Worm puis « From the Stars and Beyond collée ensemble à un moment je suis comme Ah, oh, je suis rendu à l'autre toune. J'ai commencé avec elle, mais je suis rendu à l'autre, puis j'ai pas vu de transition autant que ça. J'ai fait OK. Mm -hmm. euh, parce que les compositions, je les trouve trop linéaires. Oui. Puis même la, la plus longue qui est the obsidian Expanse », je suis comme Hey, aboutit À dure 10 minutes que c'est une première partie que c'est crispement toute la même affaire. Il y a un bout ambiant en plein milieu. Puis après ça, il retombe dans un autre pattern, mais il répète, puis il répète, comme, ah, t'aboutis nulle part. Puis, tu sais, comme je dis, c'est bien produit, mais il y a juste ça. Il y a eu des trucs que j'ai trouvé le fun. Il y a des tonnes avec des gros riffs. L-Ride, j'ai trouvé crispement cool. La première tonne, 14 6, j'ai trouvé vraiment nice aussi. Euh, côté orchestration, la huitième tourne de The c'est pas mal la, plus, la meilleure. Euh... Le meilleur exemple d'une bonne composition d'éléments symphoniques, ouais. à rendre bien, mais c'est ça, c'est que le milieu de l'album, il est très ordinaire. Mm -hmm. Puis c'est plat, mais je pense que si le vocal avait été un peu meilleur, un peu plus classique, euh, black metal, black dead, j'aurais trouvé ça meilleur, mais Chris, je trouve pas qu'il est bon, le gars. Je trouve qu'il manque de quelque chose. Puis tu as parlé de XDO, Chris, son range est aussi gros que celui d'XDO, donc. Il n'existait. Mm. voilà. <laughs> c'est mon rent. Donc, Doc pour avoir va embarquer là-dessus. Moi, j'ai rebondi sur ce que tu as dit. Moi, j'ai marqué qu'on est sur du mélodique death avec des touches black par section. Aussi, il y, une, il y a une vibe black metal, mais ça fait très mélodette, je trouve, dans la composition. Ouais, c'est très mélod... mélodette, mélo black là, mélodette, sais. Ouais, c'est... Peut-être un petit peu plus de dette que de black. Moi, j'aurais mm -hmm. mis un petit peu plus de black que de dette. Mais bon, c'est très, très mélodique, très symphonique, euh, très, très, très grandiose là, dans, dans, dans la production. Mm -hmm. Overall, j'ai eu l'impression d'écouter l'OST d'un film sur lequel on aurait comme ajouté des vocales. C'est comme si tu prends l'OST, puis là, quelqu'un se dit, ah, c'est une bonne idée, on va chanter là-dessus. Puis là, là c'est là que je suis comme, ah, oh, peut-être peut que c'est là qu'on aurait dû arrêter le. L'idée, c'est pas non plus tant de choses si négatives, mais pour ceux qui sont, sont, sont fans du genre, euh, j'ai remarqué mais... aussi qu'il y a quand même une grande utilisation de back vocal pour doubler le chanteur avec des... soit des back vocal, dans le fond, qui répètent ce que le chanteur est en train de chanter, mais par quelqu'un d'autre, ou juste les espèces de chorales. Là. Il y a une grosse utilisation des chorales qui fait l'espèce d'effet OST puis tout ça, là, qui donne un, un ton, une atmosphère quand même précise. À l'album pour moi. Là. Mais overall, pour le style, je pense que c'est quand même justifié, c'est quand même bien intégré dans, dans, le, dans le tout. Puis euh, j'ai noté que les, les, chants, les chants qui sont mis comme à l'arrière, justement, dans le mix, euh, comme les, la personne qui, qui double le vocal sont quand même utilisés un peu plus comme oh, puis même les, les back vocals, euh, pas les back vocals, excusez les chorales, sont quand même mis un peu comme <laughs> un instrument à tes souhaits. Sont mis un peu comme des. Euh, ça se sont mixés un peu comme des instruments. Fait que ça, je trouvais ça quand même intéressant comme approche. Les, tu sais, les chorales, puis tout ça, n'étaient pas trop mis en avant. Ça ne remplaçait pas nécessairement le, le chanteur. Euh, mais le point négatif pour moi, Max, il l'a dit, c'est les, les, les vocales. Je ne savais pas qu'il y avait changé de, 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 de chanteur entre les. Euh, depuis tu disais, depuis quand, Max Le, à peu le, près, de, le, le dernier album qu'il a eu ce chanson là qui s'appelait Fait Bonne. Euh, c'était Reptilian en 2010 après ça il est parti puis, puis là, euh, le, là, ont tout changé, ce qui est sorti après c'était lui c'est le, 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 le chanteur qui fait le gars sur, okay. sur la pochette le <laughs> gars <là>. sur la pochette Ben, tu vois c'est ça. Moi, j'aurais pris, j'ai noté justement l'utilisation des, des chants plus clean, le blabla. Là, à certains points, il a l'air de plus parler fâché que de vraiment chanter. Ça, ça c'est des choses que j'aurais j'aurais coupé. C'était comme « too much » avec déjà l'ambiance qu'il essayait d'instaurer. Euh, tu sais, je suis comme toi, Yolin. Là, quand j'écoute un album, puis encore plus, c'est pour en faire un review, je l'écoute du début à la fin. Souvent sans skipper. Première tourne à la dernière tourne, je les écoute comme ça. Mais la chanson 6, Journey's End, mmh. je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire. Mmh. Euh, J'avais fait ça avant, en passant des balades de même. C'est oh, jamais arrivé. Là. Pis, ça arrive à un moment, il euh, y a quoi Il y a huit chansons sur l'album, je pense, 9... de mémoire. Huit ou neuf Neuf. Avec l'outro, il y a neuf. Avec... Ouais, ouais. Ok. Tu baisses ça à la chanson 6, c'est comme. C'est comme si tu essaies de clocher un char de la cinquième vitesse à la première sur l'autoroute, man. Tu roules à 120, là, puis tu forces ton char à clocher en première. C'est l'effet que ça donne parce que on dirait que, on dirait que tout arrête, mais après ça, tu as justement les trois. Si tu enlèves l'outro, tu as comme deux autres chansons après qui sont pas dans ce mood-là non plus. Fait que j'ai comme pas compris la, la vibe. Il aurait quasiment pu le mettre en. Au pire, au pire enlève le outro qu'ils ont, puis mets ça en outro si vraiment tu la trouves bonne, ta chanson. Puis tu veux la mettre sur l'album, mais pour moi, ça aurait été un, un, enlevé au, au complet, là. Puis, euh, sur le Metal Archive, j'ai vu qu'il était noté euh, black metal avant. C'était ouais, comme mm -hmm. early black metal. Ouais. Fait que ça m'a rendu curieux. <laughs> j'ai été écouter le premier album, là, uh, Through Times of War. Through Times of War, qui ont sorti en 1997 là, pour saisir un peu comme l'évolution où -ce que le band, d'où ce que c'était parti, jusqu'où ça, ça l allait. Puis pour moi, c'est comme. Il aurait dû rester sur cette vibe-là. Il aurait dû rester sur leur vibe. Black Metal, je ne sais pas si là, je ne savais pas qu'il avait changé de chanteur. Fait que je sais pas si... C'est même pas... C'est cause... le... un autre chanteur en plus, ça, dans le temps. c'est ah, deux, deux switches. OK, tu vois, je n'ai même, mm -hmm. même pas été jusqu'à là. J'ai écouté le premier aussi euh, deux, même deux, trois fois. Puis j'étais comme, wow, OK, c'est ça. C'est ça que <laughs> vous auriez dû continuer à faire. Parce qu'ils excellent beaucoup plus là-dedans que dans euh, ce qu'ils font en, en ce moment. Fait que mon, mon overall, mon overall paragraphe de fin. J'ai marqué pour moi, l'album fait un peu comme un ensemble de chansons que le Ben avait qui était prête à être release. Mais quand tu mets ça ensemble, ça fonctionne pas totalement non plus pour moi. Ça reste bien exécuté. La production est belle, c'est C'est quand même le fun à écouter, c'est grandiose, mais ça va pas captiver mon attention non plus plus que ça. Ça, okay. ça, ça s'arrête là. C'est une belle écoute. Comme l'autre review, T'sais, pour le nombre de fois que j'écoute les albums, pour faire les reviews, il euh, y a une couple de fois trop là de manée. Normalement, j'aurais mis l'album de côté et puis ça aurait... ça aurait été beau. J'aurais fini ça là, là. Ouais, non. Fait que regarde, là-dessus. Euh, tu le dis comme si c'était comme un soundtrack de film ou whatever. Mais moi, je l'ai noté comme c'est fait comme une pièce de théâtre amateur. <laughs> ok, t'es plus rough que moi. Dans le sens que ça filait comme si, tu sais, ils ont pris leur meilleure option pour être le gars qui chante dans la pièce de théâtre. Tu sais, ils n'ont pas trouvé le double le qui cherchait parfait, mais ce gars-là, il faisait un job correct. Fait qu'ils l'ont pogné. Puis ça donne l'album 146 Fait que, tu sais, c'est un album qui se promène du sympho euh, au mélodique. Tu sais, il essaye, mais tu sais, il ne se rend pas trop fruité au moins. C'est juste la son, ligne. Son Ils sont sa limite. Un petit peu plus que ça. Ben, Journey's, Journey's End, ça c'est fruité. Là. Enlève ouais, le, ouais, là. Ça, Mais je veux dire, sour. le reste, le, le, ouais, le reste c'était correct. J'étais capable d'enjoyer. J'avais du fun quand même. Euh, toutes les vocales sont intéressantes, sauf celui principal. C'est pas, je suis rendu là. C'est les genres de chorale en background, tout le back vocal. Tout ça, c'est intéressant. Il y a des beaux arrangements, mais le vocal principal, il est mauvais. C'est vraiment ça le problème. Parce que, avoir eu un bon chanteur, cet album-là aurait été pas mal mieux. Vraiment, pas mal mieux. Euh, puis, tu le dis un peu, Max, puis moi, je l'ai noté de cette façon-ci, c'est que cet album-là revient toujours, toujours, toujours au même pattern. D'une tonne à l'autre, c'est le même pattern, la même façon de fonctionner. Puis tu ne peux jamais savoir si tu es sur une tonne ou un autre parce qu'ils se blident toutes une dans l'autre sans être exceptionnels une ou l'autre. Fait en bout de ligne, c'était long, 48 minutes de ça. Vraiment long. C'était pénible par bout. Parce que pour trouver les belles affaires, il fallait que tu fouines je veux dire vous avez dit le reste de mes opinions aussi par rapport à ça fait que je lance la balle à Georges qui a de l'air excité de parler de qui pauvre s'il y a des fans c'est le temps à aux toilettes même d'aller vous chercher un beignet parce que vous allez avoir les amoureux de popper après ça parce que moi j'ai pas eu de plaisir encore colis on va commencer avec des points en commun ce que vous avez dit on s'en rejoint tous sur le fait que accepter l'attaque comme 6 c'est qu'on se mettent tout le temps à la même tonne ou à quelque chose près, là. Puis, oui. À un, donné, à un donné, je veux dire, exactement comme Max, je, fais, je, suis, rendu, je suis encore en première, moi, Chris. Ah, Chris, je suis à 4 voyons donc. <laughs> oui, tu sais, 50 minutes presse, c'est pas long pour de la marde de même, si, voyons donc. Personne n'est fait pour être assis à la toilette aussi longtemps, Chris, sans subir les conséquences, c'est impossible. C'est après ça, bon, la pochette, on est tous à 100% d'accord. Oh. Il n'y a aucun effort. Regardez ça, puis pas allumer que c'était un désastre. En plus, c'est que la face que le gars fait, on dirait, on dirait qu'il est en train de subir un test de la prostate. Je ne sais pas, moi, c'est le genre de face que je fais dans ce genre de moment malaise-là. Parce que Chris, c'est dégueulasse. Tu ne peux pas, pas avoir de goût à ce point-là, même si ton album est mauvais. C'est. C'est débile, man, comme choix. C'est foutrement débile, surtout qu'ils ont de l'expérience à la tonne depuis 97 qui roule. Tu es capable de te rendre compte que Chris n'a hein, pas de génie. de fait payer quelqu'un puis un label pour ça. Mais bon, euh, la musique, euh, oui, c'est semi-dette, c'est blackish un peu. Mais Chris, le chanteur, on est encore tous d'accord là-dessus. En fin de compte, on dit toute la même affaire. Euh, Genre qui chante entre le trash puis le power, là, comme Max dit, il y a comme bien clair, forché qui ne veut pas assumer son screen ou qui veut, voudrait chanter clean, mais qui a fuck pas le talent, mais pas en tout. Parce que là, rendu là, après tout ça, à part que la production musicale, instrumentale, studio, mastering, mixing, le son des instruments, c'est impeccable. T'sais, tu vois qu'il y a du beau travail et de, de la compétence au niveau technique, c'est bien beau tout ça. Mais j'ai entendu, ils affaires fait meilleur TP sur un tape deck puis sur des 8 tracks. C'est un one take. Là, je veux dire, ça ne ça, ça rajoute rien, là, la technicité. Là. Puis, euh, des fois, ça vient comme symphonique, mais je me sentais comme dans une crise de mauvaise game de donjon. Tu sais, pas celle-là que tu as du fun avec tes chums. Celle-là que tu veux crisser ton camp parce qu'il y a un qui vit sa vie en parallèle avec son personnage. Puis, c'est foutrement malaise. Tu sais, c'est pas elle qui est tripante. Là les, 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 les sais, dans le vocal, dans ce contexte-là, moi, le musical, il m'a turné off crissement, man. Les refrains symphoniques clean, épiques, là, qui se veulent comme, je sais pas quoi, man, on dirait que ça veut rajouter un côté, euh, un côté euh, grandiose, comme tu disais, stidoc à à tout ça, mais non, j'ai même pas ça trouvé diose, man, c'était même pas un, <laughs> C'était trop. Il manquait ça, le diose. Ça venait comme trop bicoline pour moi, man. J'avais un malaise de vivre en écoutant ça parce que j'en vivais <laughs> du monde. Je voyais des affaires de du monde qui font pitié dans la vie. Une de version, comme j'ai tantôt, BMW, version Power Metal. Euh, tu... sais, c'est pas, pas grandiose, c'est petit diose. <laughs> <'est un> petit... <laughs> <Et> puis, <laughs> petit diose, c'est un petit. Là-dessus, par exemple, le guitariste et le drummer sont calissement bons. Le guitariste, c'est un Chris de gros shredder. Et pas juste au niveau technique, au niveau aussi euh, des, des, des choix de ses harmonies. Ses solos sont carrément beaux quand il y a un pop -un, ça. Le guitariste, guitariste c'est le chanteur. <laughs> Mais, il devrait juste jouer de la guitare, That's it. Tu mm -hmm. c'est un guitariste. Le drama blasse comme un dingue. Il est tête, ça n'a pas de bon sens. Euh, quand tu changes de beat, en tout cas, même tout est... Tu c'est exécution parfaite. Euh, la position est bien belle. y a-tu un bassiste dans le band, Chris un autre, oui. band un autre band que Jason Newsted sa base euh, Tantoué, Injustice for all 2, euh, c est, c est, c est, mais ça me donnait mal à la vie, man. C est, c est, on dirait de la musique de Tripeux là, emprisonné dans son adolescence, là, ça, ça sentait le rôle play malaise de la game de donjon. Ça fait un mousse, man. C'est incroyable, man. Euh, c est, c est... Tu sais, genre de gars qui vient ch souper chez vous, pas avec un six-pack, avec son hydromel. C'est lui, ça n'a pas tu Chris. C'est dans t'sais, une t'sais. corne. <laughs> avec une corne. Chris, il manque à la corne. Man, tu sais, as le goût de leur tourner d'où ce qui vient. Décalisse, yes, ta chemise médiévale à la sèche. Tu vas te c'est Tu sais, ouais, on non. Tu sais, s'il arrive, il arrive avec sa corne, son hydromel, sa cote de mort. Il yes, y a ce petit Puis <laughs> il arrive avec son hydromel, puis il le fait chauffer, là. <laughs> ah ouais, il Ah du... oh ouais. dit, tu ouais, on don. Oh. Euh, euh, José, t'arrives avec ton, ton hydromède dans une corne pour ne pas la partager avec personne. Non, c'est ah, ça. Ben, hey, en regardant la pochette, oh. tu vois bien ce qu'il a fait avec la corne. Il a pas l'hydromer, il l'a mis sur le bain. c'est astuce. Mais là, j'arrête de parler un peu parce que je vais encore me faire couper par le style de Simon de Marbre, qui risque de gréviste de l'âge. Pas capable de travailler, il faut que ça fasse du piquetage. Aïe, 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 aïe. Ah, voilà. Il voilà. vient de se faire muter. Non, mais écoute, sérieusement, mais c'est ça, les chansons sont toutes pareilles, là, à longue, puis c'est long, il n'y a pas de variante, puis dans le fond, ça décolle, ça chasse le dragon, point barre, that's it, c'est tout. Fait que je donne un gros thumbs up aux drummers puis aux guitaristes, parce que c'est une belle job. Euh, les astuces bons musiciens, ça, je les ai trouvés vraiment bons, mais c'est dommage qu'ils aient perdu de leur temps sur un album pareil. C'est un groupe qui a Clairement déjà fait des bons albums avant, mais celui-là, c'est un ramassis de chiures. C'est écoute, faites du compost avec ça, passer au prochain, tant qu'à moi. Mais non, j'ai même pas sorti de chanson spécifique. J'ai juste dit get drum, bon job. Alright. On va y aller avec les top tracks, euh, Max. Regarde, on va débouler ça assez vite. Là. Euh, la troisième, c'est la première 14 la deuxième, j'en ai parlé tantôt pour au niveau du symphonique, c'est la huitième Throne of Execration. Puis celle que j'aurais trouvais qui rentrait le plus, qui avait le plus de riff le fun, c'est la deuxième Hellride. OK. Doc, qu'est-ce que tu qu que as mis comme top track? Moi, j'ai mis la troisième, ma, toi, toi, la catharsis aussi, la première. La deuxième, c'est From the Star and Beyond. Puis euh, la première, j'ai mis The Obsidian Expense juste parce que je trouvais que ça représentait quand même tu sais si tu regardes mettons l'album overall là, ça représente le mood de l'album j'ai quand même aimé l'espèce le, de passage qui ont essayé plus calme mélodique ambiant tout ça je trouvais ça intéressant surtout en ayant écouté comme le, le, le premier album mais euh, euh, c'est je dirais cette cette chanson là ça l'aurait dû arrêter à cette chanson puis celle-là aurait dû être la dernière, puis ça aurait dû finir peut-être sur le côté ambiant. Scrap, scrap jusqu'à après, l'espèce de, de riff comme Max disait là, qui finit, qui finit plus de finir. Prends ça, mets ça plus tôt, finis sur ton côté ambiant, finis l'album comme ça. Puis déjà là, je pense que ça va déjà mieux s'écouter. Au moins ça va être moins long. Là. All right, euh, Doc, quand même que vous autres dans ceux qui étaient le meilleur. Euh, en troisième, j'ai mis la cinquième. From the Stars and Beyond. En deuxième, j'ai vu la première 14-6, mais moi, celle que je trouvais qui a le plus d'éléments enjoyables, c'est la huitième, Throne of Execration. Celle qui sait qu finit l'album avant l'outro, dans le fond. Mais pas plus de raison que ça, puis Georges, il a dit qu'il n'y en a pas. Fait que euh, vos scores, Max, commence-moi ça. Euh, regarde, moi, j'aimais le bend beaucoup, puis ça, c'est une méchante drop. Fait que moi, j'ai mis, j'ai mis un, un 6,5 et un 7, mais non, c'est un 7 mou. Mm. Fait que mais... euh, je ne peux pas donner plus que ça. Poivre, qu'est-ce que t'as mis, toi? Oh, ça a été un 4.5 pour moi. 4.5, j'y retournerai pas. C'était correct pour écouter, mais c'est un autre, un autre album que j'aurais à la moitié de mes écoutes que je fais pour les reviews, là, quand il arrivait, j'étais là, « Boy, OK, on, on repart. » Comme Georges dit, là, on met la cote de maille, on repart, puis on espère que ça soit mais, moins, mais, moins mais cringe comme, cette fois-là. c'est correct mettre la cote de maille puis faire des affaires cool, mais ici, dans ce contexte-là... Cool, oui, alors... c'est ça. Non, non, c'est ça. La cote de maille est trop faite en carton. Là. Il aurait fallu ah. investir un petit peu plus. <laughs> euh, pour ma part, je à 5,5. Ça passe pas à école. Euh, je vois les éléments qui peuvent être intéressants, mais je n'ai pas eu de plaisir. <laughs> euh, Georges? Euh, ben, moi, j'ai donné 4 sur 10. Pour, comme je l'ai dit tantôt, au cours de le drummer, je trouve que ça vraiment des crises de mon musicien malgré tout ce shit show-là. C'est c'est euh... <laughs> c'est ouais, c'est. George. Moi c'est 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 ça la pochette, c'est ça la pochette qu'on oui. avait besoin. Ouais, ça ça a été mieux. malade, avec les ailes en ça, de ça a été, été Pochette de l'année pour moi. Ouais. Oh. <laughs> tu mets ça, tu mets ça en gros backpiece sur ta, ta prochaine veste, docteur. Ouais. me le fait à toi. Ah, oui, il me faut un, un backpatch. On peut tu l'imprimer en gros ça, je suis d'accord. Dans... Genre. <laughs> je ça se fait. <laughs> All right, so, quatre pour toi, Georges. Donc, ouais. euh, passons au prochain. Entre-temps, j'ai ouvert ma deuxième bière. Je vais la présenter parce que je l'aime en crise. Puis, euh, ça vient rejoindre une, une gang que tu connais, Georges. Une gang de Pibrac. Ah, cest que c'est ma brasserie préférée? Qui ont, fait, qui ont fait une bière avec la souche. Oui, la deuxième brasserie. Exact. Ils ont fait la saison phonique. Fait qu'une petite, euh, petite bière saison. C'est une bonne petite blonde. Vraiment pas forte, mais houblonnée, Un petit côté forestier. Genre, tu sais, ça goûte vraiment bon. 4,8 Ça, là, je veux ça à l'année longue, ce bière-là. Puis, pour vrai, l'été, là, petit après-midi dehors une gang de chum, là, c'est fucking Ouais, Oui, j'y goûte. Elle doit ressembler un peu à... Voyons, c'est la Gélinote, je pense qu'elle s'appelle, là, ou la... la... J'ai les notes, ça, c'est chasse gardée. Oui, chasse gardée, je pense. Oui, c'est ça. Il y a comme la petite perdrie. Ah non, c'est la chasse peinte. La chasse peinte. Il y a comme la petite bon dessus. Un petit goût, de... pas, pas d'épinette, mais presque. En tout cas, on dirait que tu as pris une débarque mm. dans un, dans un fossé, dans une forêt. Tu as le ah, une... Mais une... ça, là, si tu mets la main là-dessus, Georges, achète-toi ça. Ouais, c'est sûr que tu vas aimer ça. Ceux qui l'ont à côté de chez nous. Ouais, c'est sûr, je vais y goûter. Parfait Donc. On y va sur le prochain groupe. Ce soir, on change de registre complètement. Puis là, on s'en va se faire une petite ligne d'acide. Une petite ligne. Ah oui, tu peux. Ça, ça se prend pas un acide. Tu fais une ligne de carton. Mais ça se prend pas par le nez, ça. Non, ben j ai j ai non. Joué. Donc, on y va avec Acid King euh, groupe qui existe depuis 1993, classé dans le doom il vient des États-Unis. Sont sur le label Blues Funeral Recordings. Discographie, deux démos, trois splits, un EP, cinquième full-length album pour eux. Les membres du groupe sont, à la base, Bryce Shelton, au drum, Jason Willer, Get et vocals par Laurie S. et git keyboards par Jason Landrian. L'album s'intitule « Beyond Vision », sorti le 24 mars 2023. 7 tracks pour 42 minutes 10. Sur cet album, les gens qui y ont travaillé sont euh, Engineering Mixing par Billy Anderson, Producer Laurie S. et Jason Landrian, qui sont dans le groupe. Mastering par Zach Weeks. Artwork par Martin Donders. Et Art Direction par Peter Bergstrand. Donc, je ne porte pas une pochette, ça, quand oui, même. Il, S est, so, il oui. reste les versions. Ouais, belle euh, la pochette. CD. Deux versions vinyle, une version cassette limited et digitale. Et oui, je suis fucking d'accord avec vous autres, la pochette à tort. Quand, quand tu regardes comme il faut, tu sais, vraiment longtemps, tu as plein de formes symétriques sur le coup qui n'apparaissent pas. Il y a plusieurs profondeurs. C'est l'acide, ça. C'est l'acide. c'est ça, c'est ça, c'est ça. <laughs> c'est quand ça kick. C'est ouais, le bout ou le moche qui kick, ça. Exactement. Donc, <laughs> Doc Poivre, je te laisse commencer pour « Acid King ». Avant de commencer, moi je vais ouvrir aussi ma deuxième blière. Blaire. Ma blière, ta plus meilleure, la double NAPI, pêche et fruit de la passion. Une découverte, une découverte encore ce soir pour moi. Je rebondis sur ce que vous avez dit dans mes notes. J'ai marqué la pochette pour moi, c'est la meilleure de la semaine. Le format cassette qui est disponible avec la petite cassette rose, c'est magnifique. J'ai trouvé ça magnifique. Fait que ça, on part avec un positif là-dessus. On va verser ça vite, vite. Euh, c'est du stoner qui est lent, qui est mélangé avec du doom, même que je dirais que c'est quasiment plus doom avec des sonorités euh, stoner. Là. Fait que des, déjà en partant, là, je pense qu'il faut que tu sois dans une vibe pour mm -hmm. ça. Il faut que tu sois dans la vibe d'écouter ça. Euh, quatre chansons sur sept, c'est des instrumentales. C'est pas juste instrumental, c'est. <laughs> c'est qui qui a fait ça? <laughs> faut-tu -tu, faut -tu, faut m'envoyer ça? Faut-tu m'envoyer ça? C'est si bon, de, de mon cru, ça, monsieur <laughs> C'est Cru, le... faut-tu? Faut-tu. <laughs> c'est cru creux pas mal, ça affaire-là, là. Voilà. <laughs> quatre, ch quatre chansons sont instrumentales sur sept. Euh, pas juste instrumental, c'est instrumental par bout, puis ça veille quasiment sur le drone ambiant. Des fois, j'ai l'impression, tu sais, quand tu écoutes, tu fais vraiment une écoute comme assis, puis tu fais que ça, là, des fois, j'avais l'impression d'écouter quelque chose de quasiment plus drone ambiant. C'était un peu weird par bout. Euh, je n'ai pas écouté le, le backlog euh, du groupe, fait que je ne sais pas si c'est une signature ou un style pour eux, mais pour moi, ça ne m'a pas fait triper tant que ça en général, ce, ce côté-là. L'album là. est monté comme si c'était comme une longue chanson, oui. Donc, un, un genre d'aventure, l'expédition. Euh, pour moi, il y a des styles, styles ou des bands comme Bell Witch, pour qui je trouve ça fonctionne. Je sais que ce n'est pas tous les fans. Il en parlait même hier à, à Pouilleux. Et c'est long, Bell Witch, là. C'est long, mais ça fonctionne parce que c'est sûr qu'eux, ils l'ont fait sur une chanson qui dure comme une heure une heure et que ou whatever. Là, c'était comme, comme coupé en chansons, mais tu aurais pu, si tu mets bout à bout, les chansons se transitionnent quand même assez bien. Mais je n'ai pas trouvé ça super pertinent pour le, pour le, le style que c'était. Il euh, y a une coupe de passe vraiment intéressante là, quand ça se met à accélérer un peu, quand les... Vo... <laughs> les... Ouais, C'est pour ça, accéléré. Quand il y a les, les... Je fais des guillemets pour ceux qui écoutent en audio. Là. <laughs> quand il y a les vocales qui embarquent. Puis en passant, les vocales, je trouve qu'ils étaient... Moi, j'ai bien aimé les vocales euh, pour le style. J'en ai... rien à ça. Juste que j'en aurais pris plus des passes comme ça, des passes avec vocales, même si les vocales étaient quand même répétitives sur ce qu'elle disait. C'était quand même, quand même comme lancinant et tout ça mais y il avait, y avait quelque chose qui était un petit peu plus riche quand que ça s'embarquait. Ça, ça, ça euh, on dirait que ça, ça passe d'une chanson à l'autre. Il y a souvent comme des drops d'énergie dans les chansons qui font que c'est difficile pour moi de rester accroché. C'est up and down entre les chansons, même dans certaines, certains comme segments de chansons. Là. Euh, Puis je, je dis ça en étant comme un, quand même un très, très, très grand fan euh, de Doom. J'aime le Doom. J'aime quand c'est lent, quand c'est lourd. Mais là, il manquait la lourdeur. À cause du côté stoner, il manquait l'espèce de lourdeur. Je suis fan de Doom quand c'est comme du Odin Menace. Pour ceux qui euh, me connaissent, j'aime ça quand c'est lent, quand c'est pesant. Là, il manquait ça parce que c'était juste. Il te manquait le, le danger. Mm -hmm. Oui, oui, c'est ça. Exactement, exactement. J'ai justement écrit comme quoi que je ne sais pas exactement <laughs> quest ce qui manque pour dire que ça me dérange que le côté stoner prend ça, mais il, man, il manquait un petit quelque chose. Puis c'est sûr que je parle vraiment là, par, euh, par appréciation là, personnelle. Euh, J'ai vu sur. Parce que de mes années je me suis dit Ok, c'est peut-être moi qui ne comprends pas la vibe, fait que je suis allé, puis c'est rare que je fais ça. Euh, surtout pour les reviews, d'aller voir, maintenant d'autres reviews, voir bon, quest ce que le monde pensait de ça. J'ai vu que ça a été souvent comparé à hand ou euh, Electric Wizard, mais c'est aussi des bands dans lesquels je n'ai pas trop embarqué. C'est peut-être, comme je dis, c'est peut-être moi qui n'ai qui peut-être pas intuit euh, trop trop. Fait que je pense overall c'est peut-être juste pas pour moi, malgré que j'aime le côté, le côté Doom. Malgré que j'aime le stoner, mais les deux en même temps, on dirait que ça ne le faisait pas. Ça ne le faisait pas. Euh, ça ça m'allumait pas tant que ça. Là. OK. Euh, ben, là, de... oh, juste avant que j'oublie, produ... j'ai marqué production. Il y a des côtés production intéressantes qui me rappelaient des fois un petit peu du vieux J'ai eu des petites vibes vieux sabbat. Une fois de temps en temps. Quand les vocales embarquaient, j'étais comme il aurait dû groover un petit peu sur ce. Cette... Sur ce côté-là, mais c'était comme un missed opportunity pour eux, là, je trouve. OK. Euh, regarde, tout de suite en partant. Pour moi, tant il n'y a pas beaucoup de vocal, euh, tu perds beaucoup de points en partant. Euh, à moins que tu sois crissement intéressant dans ta musique. Est-ce que c'était intéressant? Non. Euh, c'était très lent. C'était très long. Très long. Euh, je veux dire. Il y a des belles grooves, je vois ce qu'ils veulent faire, mais c'est tellement lent, puis ça s'établit jamais. Genre, on dirait que c'est jamais définitif. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Fait que tu es tout le temps comme dans le néant de, je veux faire une tonne lourde, je veux faire une tune. Fait qu'on dirait que tu te perds très rapidement, très rapidement, dès le début. Tu, tu te perds dans les premier cinq minutes, tu es rendu comme tu flottes. Tu sais pas, t'es où dans la musique? Puis moi, euh, Doc, je veux dire, le vocal, là, il est monotone. Il est très, très, très monotone. Ah, moi, j'ai aimé ça, par exemple. J'ai eu bien de ai la avec ça. Puis je trouve que le vocal, il ajoutait rien à la musique. Genre, on dirait que même si c'était instrumental, tu ajoutais le vocal, tu m'ajoutais pas l'élément qui va me faire aimer ta musique. Fait que c'était genre. Une écoute qui était difficile parce que je n'étais jamais concentré à écouter ça. Genre, même si j'étais assis écouteur, je fais rien, je devenais spaced out complètement, puis je n'étais jamais genre assidu à mon travail, je vais le dire comme ça. Fait que l'album était une tâche à écouter, puis j'ai jamais été capable de l'apprécier, puis j'ai eu de la misère à apprécier tous les éléments de cet album-là. Je ne peux pas dire que c'est un album qui est mauvais, parce que tu l'entends. Les musiciens ne sont pas mauvais. Il n'y a personne de mauvais à part le fait que je n'aime pas le vocal que moi, et je le trouve monotone. Mais Je veux dire, en bout de ligne, c'est quelque chose que personnellement, de façon objective, j'ai de la misère à donner une note à ça. Parce que je n'ai pas apprécié mon écoute du tout. Je ne peux même pas pointer un élément que je fais. Ça, c'était bon. Ou ça, c'était bon. C'est vraiment... J'ai pas de top track. J'ai pas de... J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à écouter ça. Il faut un mood très précis pour écouter ça. Puis je n'étais pas là-dedans. Pas en tout. Donc, Georges, je te lance la balle. C'est à toi. Okay, ben... Moi, en partant, je suis un gros, gros, gros consommateur et gros fan de Stoner Rock, Doom, Psych Rock, 60s, 70s Rock. Cette euh, vague-là euh, de Némith, euh, que ce soit euh, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Blue Oyster, Cold. Mm -hmm. euh, Mais ça, euh, tous les groupes que tu viens de nommer, ça, je les aime tous. Ouais, là, name it, euh, même des plus modernes, je te dirais que euh, dans cette vague-là, qui qu selon moi le font mieux. Il y aurait Subrosa, si vous ne connaissez pas ça, c'est Maladred. Hearth, euh, Cadaver d'Allemagne, ouais. euh, Graveyard aussi, euh, les malheureusement qui n'existent plus, uh, Devil's Blood, uh, Witchcraft, Witchcraft c'est complètement écœurant, euh, Electric Wizard, qui est un classique, uh, Blood Ceremony qui euh, eux ont même la flûte traversière à la Jet Rotol, c'est complètement malade ou a Person qui est très 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 60s psychédélique un peu presque Beatles avec un vocal féminin. C'est toutes des bandes un peu qui vont dans cette scène là qui selon moi ont surplanté de beaucoup Acid à, à King euh, parce que la, la pochette en partant moi elle me tuait comment qu'elle était belle, j'ai comme passé 20 minutes à la regarder là tu sais, plus tu regardes plus tu vois quasiment comme Max death style pop quand tu regardes, tu sais. <laughs> <laughs> J'ai adoré, moi j'aime ce genre de musique-là. Euh, la prod de garage, superbement calibrée. Euh, tu as l'impression d'un jam ultra bien recordé. Ça reste ultra naturel. Aucunement trop retouché, mais c'est de qualité, tout ressort bien. Euh, le tone me faisait penser aussi un peu à, à Or, le Ben Horseback sur l'album Half Blood, man, qui est un peu, mais en version un peu moins dark. Euh, Je crois qu'il y a des bons shreds aussi, les solos, le blues rock, plein de fuzz. Euh, qui était super bon. Il y avait beaucoup d'expérimentation dans les sons, les effets de guitare. Tu, sais, tu le vois en écoutant. Tu imagines un guitariste avec son effet pedalboard de 6 pieds de large, de 4 pieds de profond, avec 5500 piastres de pédale en avant de lui. C'est évident là, dans le son. Par contre, puis ça je pense que tout le monde a d'autres été d'accord avec ça. il y a trop d'interludes, d'entre-deux, ou ce qu'on pourrait dire des points morts. qui... Ouais. Qui, avant que ça tombe dans le vif du sujet, dans le vif de la toune, ça, ça, parce que quand ça rock, quand ça se met à riffer, que ça chante ou que ça chante pas, ça riff hot, man. C'est du Chris de bon stoner rock avec l'expérience qu'ils savent quoi faire comme, 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 comme bon riff là, dans, dans le doom rock, là, dans ce genre-là, très sabbat-like. Sabbat euh, C'est solide. Mais ça s'enlise tellement souvent, puis sur des périodes de temps tellement longues, dans le méditatif, puis sans que ça apporte, comme il y en a qui pas call, à part que c'est une note ultra plein de chorus, puis on met du face, puis on rajoute un delay, puis on keep la note, mais on fait rien d'autre, juste pour comme alimenter un boss qui, oui, mais Christ, moi, j'en fais pas de drogue, excuse-moi, calliste, euh, tu sais, ta tabarnak de sais parce que c'est dommage quand la chanson commence. Euh, euh, généralement c'est des de bons riffs euh, puis si ça bonifie pas encore le rien tant qu'à moi t'aurais pu couper pratiquement l'album de moitié puis faire mm -hmm. un EP avec ça t'aurais eu un tabarnak de bon album de, de rock stoner de doom euh, tu sais, au, au lieu de t'essayer de créer une atmosphère avec des longueurs interminables qui n'apportent rien, tu peux avoir des 15-20 secondes, si là de tout ça, peut-être 30. Hey, je pense, la 1, ça prend. Elle hey, est bonne en plus, ça il y a décoller, mais ça prend quoi, 3 minutes à décoller, là? Ça finit plus, là, On dirait que j'écoute le vent avec la distorsion, puis ça ça plus plus, style. Le vent avec de la distorsion, <laughs> distorsion. Wow. oui. Ouais, Ouais, mais tu sais, qu'un 3.5 dans le cul, ça doit peut-être avoir son charme. Mais Chris, je suis un tabarnak, je suis dans mon salon, au bout du jus. Tu viens de finir un examen, je peux-tu, Rock! Tu sais, c'est comme. Tu sais, même histoire qu'au magasin tantôt avec la femme en SP1. T'es cool, Tu sais, c'est comme, cest Je c'est vraiment, sais, que t'es malin, cest ça fait 4 minutes, ça veut pas mettre la pédale au gaz. c'est supposé être rock, cest à moi, moi, quand t'entends le mot rock, n'a euh, pas l'impression d'être dans un temple de hippie parce que qui médite puis qui se touche à le pépi. là. T'sais. Voyons donc ouais, ouais, euh, des poils barbus qui risquent, qui shakent la tête puis qui se défonce, go calis des harlés avec le trottel au fond qui rentrent dans des clôtures puis qui font peur à des grands-mères, qui crachent des matantes parce qu'ils sont trop dopés, qu'ils ne voient plus de Ah ouais, Carlis, l'anarchie. C'est <laughs> ça, le que c'est dans les 70-70, c'est le début de la frayeur, la fin de l'emprise la... du christianisme. Puis, ah ouais, go, man, on encule le système. C'est les premiers punks man. Ah ouais. Je ne avec <laughs> la méditation... Pis toute cette espèce de sublimation sonore-là qui marche pas. Bon. Je vais écouter du noise, man, si je veux si halluciner, Ashti. Ben. <laughs> Le meme, excuse, Georges. <laughs> Georges sur l'acide, c'est un gnome. <laughs> c'est bon, man. Euh, continue. Ah <laughs> oh, non, mais j'avais fini, c'est ça. C'est bon. là. Bon, euh, la tu vas bien de rentrer, là. Euh, je suis calme. Mais Parfait. parce que, oui. que ça, je dit. couper la moitié l'album de moitié. Ça rendait un gris de bon EP de rock, man. Puis, doom. Fait que c'est Christophe dommage, le Ben. C'est Call qui fait. La voix de la femme, oui, est monotone, mais eh, c'est une bonne chanteuse à ce genre-là. Elle ne va pas chercher des affaires extravagantes, mais ça fait sa job pour ce que ça fait. T'sais. Oui. Bon, c'est ah. comme tantôt, j'ai nommé une shit Ben qui le font mieux qu'eux autres, là, selon moi. C'est pas mal, ça. Euh... Ça me fait penser juste comme tu dis, les, les vocales. Vous avez dit, tu sais, vocales monotones monotone. On dirait que moi, ça, ça pas que ça ajoutait quelque chose, mais si ça avait été un petit peu trop comme. Il y aurait eu un petit peu trop de up and down dans les, les vocales. J'aurais peut-être moins, mais on dirait que j'ai aimé le fait que ça soit monotone. C'était comme un genre de vocal de jument. Karlus un petit quand peu parlant un peu comme vocal mettons là. Ouais ouais c'est non c'est ça, ça j'ai tu vois j'ai mis ça puis c'est c'est un point un, un point problème dans la structure des chansons c'est quand tu finissais par embarquer c'est comme bon enfin. J'ai la meilleure fois que c'est sur le vocal. Parce que si j'ai débarque pas, débarque pas, porte pas. Non, t'es non, pas là souvent. pas là souvent, t'es pas là longtemps. Fait quand elle oh, débarque, t'es comme bon, oh, ben voilà, on est, est parti pour une chute. Abandonné, là. Puis maman ouais. vient une fois par semaine en deux chums, as donné <laughs> un paquet de salade puis deux tu T'es comme porte pas, maman. Porte pas, Plaque la porte au nez, elle lève-toi tu seul avec la Tu sais, en ça. Ah, c'est beau. Ah, est les descriptions oh. il va falloir que je prenne un cours avec Georges je pense oh, c'est <coughs> fantastique mais là, moi, moi tout ce que je me demande c'est comment est-ce que Max Pagé peut continuer sur cette lancée-là à toi hard. Max tabarnak <laughs> ah. ah. ah, je ouais. sais pas si tu te rappelles, Yolin, on avait fait euh, une review dans la band de Stoner Doom, mais c'était Whoa Fat l'année passée. Oh, puis l'album durait comme 1h20, mais il reste qu'il y a des tournes que je m'étais dit Hey, tu sais, ça groove quand même pas et Puis moi, j'aime le Stoner Doom quand ça te donne le goût de t'acheter des lunettes d'aviateur, t'acheter un, un côte de cuir puis faire de la moto. J'aime ça aussi quand c'est de même. Je trouve oh, ça enjoyable ouais. quand il y a du groove, quand c'est un peu plus. Des fois c'est un peu plus upbeat. Quand hein. c'est plus rock and roll. Quand c'est plus rock'n'roll ouais. ». and Puis là j'ai commencé mon écho de l'album puis je disais hey quand ta première chanson a un genre d'intro de deux minutes qui se passe rien. Je Voilà voilà <laughs> tout à fait. <laughs> puis je suis comme Chris euh, puis regarde je suis désolé de poivre mais le vocal je l'ai haï. Astique, ah t'as aimé ça toi? Ah euh, J'ai aimé ça moi. Trop monotone. Euh, j'ai aimé ça. J'ai écouté le, le vocal, puis je Chris une chante qu'elle joue de la guitare en plus parce que sinon on trouverait ça dans un Chris comme album là. Okay. Elle chante sur deux tonnes. Mais euh, moi je peux résumer le vocal en deux mots. achevez la. <laughs> achevez la. <'air. rire> C'est oh, moi là, genre de vocal. Ce soir -là. Non, non, mais tu sais, quand tu sais, comme moi, il y en a, il y a, a tour-là Rock'n'Roll, t'as une voix un peu plus rauque, un peu plus tu T'es comme Yeah! Mm. Là, c'est comme Genre, je, je vais me suicider. Je, ah. je suis plus capable, je n'aime plus la vie, je vais m'en aller là. C'est un vocal qui se lamente. Oui, ça se lamente. Ça, ça se lamente, pis, euh, genre, je parlais de... Du paquet de pédales d'effet, moi aussi, j'ai trouvé que c'était surutilisé. C'est comme oh oui. checker comment on est ici. Oh oui. J'ai trouvé, trouvé ça prétentieux à la limite. C'est comme je m'en fous de tes effets de keyboard sur ta guitare, là, J'ai déjà vu des bands live faire ça, qu'ils donnaient un coup, ils faisaient un riff, puis là, là ils se penchaient, puis ils gossaient avec les pédales de même. Mm. Là, ils on faisaient, on faire des sons bizarres. comme... Ok, là, mais reviens-en, donne-moi d'autres choses que ça. Tu sais, je pense que c'est Doc Poff qui a mentionné qu'il y a un côté drone. Je déteste ce style-là, viscéralement. Là. C'est comme, arrête de me donner des basses fréquences, Christ, ça me fait chier. <laughs> mm. fait que c'est. Les chansons, ils vont nulle part. Il n'y a pas de variation, il n'y a pas de riffing intéressant il n'y a, a rien, je, je trouve que même pour du stoner, c'est pas bon moi j'ai trouvé que c'était bien je ai écouté beaucoup du stoner pour me faire mon idée, tout ça, j'ai trouvé que c'était dolle. puis il y a un truc que je comprends pas, les reviews sont débiles je te se mettre sur Metal Archive, là, il y avait du 90% genre, oh, album de l'année, je suis comme je suis pas assez gelé <laughs> Alors je, non, non, je non, périsement... oui, non plus, j'ai pas, pas compris les reviews que j'ai vues ben, Je, euh... je, je passe je pense, je pense stone dans la vie pour apprécier là, pour apprécier ça. Puis j'ai dit comme content, il faut vraiment être solide manger pour apprécier. Et encore. <laughs> je, je la comprends pas. J'ai rien trouvé de bon. Il n'y a rien que je me dire Ah, ce, ce petit bout-là, il est cool. Rien c'est rare que ça m'arrive j'essaie de trouver quelque chose de positif je suis pareil, pareil puis asti là j'ai non non juste non pas été okay. capable euh... et puis, et puis dernière chose excuse-moi euh, tu sais l'album c'était pas le plus long cette semaine mais c'était le plus mais... long mais c'était le plus long pareil <laughs> le plus ouais. long pareil mais tu vois dans mes notes j'avais écrit aussi justement que le côté stoner c'est pas du stoner de weed c'est du stoner Acide et drogue beaucoup trop dur Puis on dirait que Stoner weed, ça groove, t'as du fun, t'as une bière, t'as ton six pack, t'as ton six pack puis ton joint tu t'as du fun. Là, c'est vraiment comme t'es dans les drogues dures, sors de là, ça va pas bien aller. J'ai déjà vu en, en show euh, Uncle Acid and the Dead Beats, j'avais pas aimé ça. ça, mais en rétrospective, j'ai plus aimé ça que. Que Asse... le King. C'est bon, un peu Ça, C'en est un qui le fait bien à ce sais Il faut que tu sois fan du genre. C'est ça. Mais c'est quand même. Je pense, honnêtement, cette King, c'est dans les pays que j'ai entendu. Oui, même. Ben. J'en entends. Mais, il y a sûrement pire. Sûr, il y a sûrement pire, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, j'ai parlé du drone tantôt. Tu sais, des bandes comme Sun o là, qui font une. Euh, ah, ça, un... ça, ça je un com... comprends pas. Puis tout le monde capote. Puis, tu à mon dieu, c'est une révolution. Tu sais, il dépense des Je suis comme. Tu sais là, je, vous vous souvenez peut-être dans South Park, qui joue toute la note. Super, la Brown Note. La Brown Note. C'est écrit, écrit dans le chat en plus. Ah, euh, oh, pas vrai. Il y a quelqu'un, Dave Young, qui écrit The Brown Sound. <laughs> ben, c'est exactement ça que ça me fait comme effet, je comme, je comprends pas. Puis cet album-là, sans que ça soit du peu drone, parce que ça n'en est pas, c'est également du stoner doom. Mm. Je, sans intérêt. Là. Tu viens de faire le son comme sur l'album qu'on a écouté. Oui. Oh, un peu de distorsion. Il manquait, il manquait euh, de pédales dans le. Hein, il manquait de pédales. Donc, euh, allons-y avec les top tracks de poivre. Genre, là, j'en ai mis deux. Je n'ai pas réussi à en trouver une troisième. Euh, la deuxième, j'ai mis Mind's Eye. Puis euh, la première, j'ai mis euh, 90 Seconds. J'ai marqué chanson intéressante au niveau des vocales parce que. Moi, j'ai aimé les vocales quand même et du rythme. Euh, même si j'ai chialé que c'était lent et que c'est probablement une des chansons qui a les, 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 le plus de l'espèce de drop de lenteur et tout ça. Mais que si tu veux, c'est ma top 1. Ça va être ça. Moi, <laughs> moi, moi j'ai mis rien, rien, rien. J'ai pas pris de sub-track. <laughs> non, j'étais pas capable de sortir une track parce que. J'ai euh, eu de la misère. J'ai eu de la misère aussi, là. Georges? Euh, moi, j'en ai mis trois, mais c'est toujours à prendre en considération que j'ai coupé moi-même toutes les hosties de longueur d'intro, trop d'effets qui finissent plus. Pour prendre juste les beaux de rock qui étaient cool, euh, dans mes considérations pour les chansons, j'ai mis Mind's Eye comme euh, Poivre. J'ai mis Beyond Vision, des crises de bons riff-rock encore là. Puis c'est toujours en faisant la part des choses parce que c'était pour en prendre trois. Puis College Trail. Euh, c'est toujours en prenant des segments qui rock. Qui sont bons, avec les bons petits solos bluesy, bien fosés, qui sont crissement écœurants, euh, puis en laissant tout le reste de côté, en fait, parce qu'il y a énormément de compost dans cet album-là. Là. Max disait que les autres critiques sont big partout, ça me fait comme un peu chier, parce que ça aurait pu être un bon EP, mais c'est absolument pas un bon album. Là. Non. non. C'est too, euh... too much pour un album. Ah oh, oui. Max, c'est top track. Ça va être euh, écoutez, on est le 26 avril, on a une première. J'ai fait pareil comme toi, Yolin. J'en ai aucune. Pas de top track. Pas de top track. Pas, pas de top track. track. Fallait que je le sorte pour l'occasion. Fallait que je le sorte ouais, ouais, mais c'est la première fois d'habitude, j'essaie toujours d'en trouver une ou vraiment de me forcer de faire un trouver trois tracks que j'apprécie. Il n'y a rien, absolument rien. Là. Bon, le doc il est disparu. Ouais. Donc, euh, c'est au tour au doc. C'est quoi ta note, doc? Si t'es pas parti trop loin. <laughs> il est parti, je pense. Non, je suis là. Il fallait que je replace mon, euh, ma lumière. Ma lumière est en train de tomber. Euh, ma note, j'ai mis un 4 sur 10. Ben, 4 on, sur doc, 10. on doc, j'ai mis 4. Un 4 mais, aussi. Tu, tu l'as plus apprécié que moi en plus, mais on n'a pas le même. Pour, hey, pour une fois que ce n'est pas moi le haters qui drop des notes à 2,5, je suis content. J'ai mis 4. Puis Georges. <laughs> oh, euh, moi, j'ai mis 6,5 à cause du potentiel qu'il aurait pu avoir. Puis euh, parce que en découpant ça énormément, ça aurait pu devenir un 8. Ça aurait été un autre ben qui l'aurait fait. Parce que je suis un gros consommateur de ce genre de musique-là. Puis je finirai là-dessus en disant un mot pour que vous puissiez aller vous faire les oreilles sur quelque chose d'autre. Je dirais marécage. Québécois. Vous allez bien <coughs> mieux sortir avec ça. Parfait. Max, ta note. Deux. Ah! Yeah. <laughs> oh tab! Yes. Je mets un me. Ça fait longtemps que j'ai pas haï quelque chose de même. Là. C est, c est... Pour moi, c'est le next level. C'était pénible. Puis tu sais, Yolin, on a écouté des trucs de merde au cours des années. Je me rappelle toujours le pochettes avec les moailles, avec la baleine zombie. Puis de même que je me souviens plus comment ça s'appelait. C'est n'importe quoi. Mais si ça là, je le sais qu'est-ce qu'il essaye de faire? C'était pas, facile. Non, pas facile. Pas facile. Mais je, je sais qu'est-ce qu'il essaye de faire. Puis j'ai ça profondément. Bon. Voilà. Allons-y. Pour le dernier groupe ce soir, donc on y va avec le groupe Maudire, Maudire qui existe depuis 2019, classé dans le black thrash metal, Ils viennent de Montréal sur label indépendant. Euh, discographie, c'est le troisième EP pour le groupe. Membre du groupe, c'est simple, c'est une personne, c'est Frédéric Bergeron. Euh, il fait tout, one man project. Euh, L'album. S'intitule Solilock, sorti le 7 avril 2023. Cinq mmh. tracks pour 25 minutes 21. Euh, L'artwork par Bergs, euh, logo par Dope Smoker et version digitale seulement. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Puis je crois que c'est comme tout autoproduit de A à Z. Comme Pas, à de Pas, Pas de CD. Pas de CD, juste digital à date. Tu vois, Yolin... La pochette est super simple, puis Chris est meilleur que Cape of Callesin. Ah, oh, oh, euh... c'est crisement efficace comme pochette, là, je vais oui. y donner, là. Oui, moi j'aime ça le noir et blanc partant. Les mm -hmm. photos un peu retravaillées en noir et blanc, justement, de paysage gothique ou ancien ou forêt de forêt. Moi, moi j'aime bien ça. Je trouve que un go... ça peut être gagnant là, si tu retravaillé. Ah bien. mais Cape, okay, c'était noir et blanc aussi, mais c'était lit. C'était là. C'était un peu un paysage gothique avec une espèce de chapelle en arrière. Tu sais, en tout cas, moi, je la trouve super belle, là, sa pochette, personnellement. Là. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Donc, j'y vais. C'est à mon tour de commencer. OK, je vois le Black Thrash, puis en plus, groupe du Québec. J'ai des attentes au son que j'allais avoir. J'ai resté un petit peu sur le cul de voir que c'était quand même très tech comme album. C'est juste moi qui ai perçu ça. Je n'ai pas si... trouvé ça si tech que ça. Ben, moi, je, moi tu vois, c'était carré un peu, mais je n'ai pas trouvé que c'était très, très carré. C'est très, très bien exécuté, mais de là mm. à dire que ça va jouer dans ce qu'on pourrait qualifier de... de je ne de... je veux pas dire que c'est euh, beyond creation. C'est pas vraiment... bien un point de... J'irais plus quoi, prog. Mais... J'ai marqué prog plus que je tech. Va, je je vais le, va le qualifier avec le son que j'entendais là-dedans. Euh, mm. Le gars du band, clairement fan de Quo V10. C'est là mon petit côté tech mmh. que j'entendais. J'entendais okay, du Quo vadis là-dedans. Euh, ce qui est là, man, c'est que c'est un tabarnak de bon musicien. Sans que ça me dit que c'est oh, mais ça ressort dans le fait que c'est un de bon musicien, c'est super, euh, super lâché, man, c'est son slick. Là, là. C'est ça, puis il est dans des band prog aussi. Tout, tout ce qui se passe là-dedans est assez intéressant. C'est classé Black Trash, mais il y a tellement beaucoup d'autres layers. T'sais, la deuxième track a commencé, j'étais comme tabarnak, c'est comme industriel, nous, metal comme intro. Genre, c'était comme super, comme direct d'en face, ça pétait. J'étais comme, holy shit, ok, on est où? Euh, en plus d'être excellent musicien, c'est un excellent chanteur. Ouais, son vocal est bon. Ouais. Sa voix est impeccable, puis elle est fun, il est articulé. Sans être trop clean, genre dans son articulation. C'est vraiment hot. Puis, je m'excuse, un chant français en plus, moi, si tu viens encore plus me chercher, j'adore ça. Puis tu entends bien ce qu'il dit, ce qu'il veut faire, ce qu'il veut exécuter. Moi, j'ai adoré ça. Puis de tous ces instruments sur l'album que je trouve exceptionnels, l'usage de la baisse. Taparnac! Voilà. C'est complètement ouais, voilà. fou ce qu'il exécute là-dessus. Là. C'est de haut calibre, là, de la base de Mongol. Ouais, c'est pas juste ça. C'est la, la qualité et la créativité. Puis, juste... sans être euh, regarde comment bien je vais jouer. Ouais, c'est ça. ça. qui était le fun. il bonifie tout le temps le riff. Exactement. Puis c'était ouais. de bons goûts, belle saveur là-dedans. C'était tout le temps bien intéressant ce qu'il ajoutait. Puis c'était comme mon riff. Ma base, il se complémente à deux extrêmes complètement différents, mais ça faisait en sorte que ce n'était pas de la cacophonie. C'était mmh. vraiment une belle mélodie. C'était tout le temps le fun à écouter. C'était tout le temps bien arrangé. Il y a du travail en sacrament sur ce EP-là. Ça, il faut que j'y donne. C'est whoppeleye. Euh, je l'ai écouté plus que tout le reste de la semaine. C'est l'album le... le... qui m'a le plus intéressé parce que je trouvais que. En bout de ligne, euh, tout est bien balancé. En plus, c'est un EP. Un EP d'une belle petite longueur, 25 minutes. C'est une affaire que tu peux écouter comme 3-4 fois de suite. Tu ne tannes pas. Euh, puis, je vais le dire de la bonne façon, c'est un album où je me perdais. Dans le sens que je partais l'album, puis j'oubliais qu'il fallait que je le review. Genre, je l'écoutais, puis je tombais dans le pure enjoyment de moi, personnellement. Pis là, j'étais comme je j'ai pris aucune note, c'est -ce tata faut que je leur parte. Puis là, je leur partais. Puis là, ben, après deux tonnes, je retombais dans mon jeune joy Puis, ah, si, j'oubliais oublié encore. Fait On dirait que c'était tellement le fun à écouter que j'aurais quasiment préféré ne même pas le reviewer parce que j'étais vraiment hypnotisé par ce qu'il faisait. Puis je pense que je peux encore l'analyser de plus en plus loin en l'écoutant parce que les, les instruments sont juste tellement bien faits, bien exécutés super le fun. Maudire, quelle découverte cette semaine pour moi. Georges, je te laisse embarquer. Euh, ben, comme on disait tantôt, une belle pochette aussi. Oui. Plus simpliste, mais une fois, c'est comme... Tant que tu recommences à travailler pour Chris. <rire> <rire> ah, je les vois mal. Georges. Je les vois quand petit. Bon, euh, ben, il y a une belle photo euh, sur la pochette, c'est plus minimaliste, mais encore là, c'est fois, c est, c est, ça fait juste que c'est mieux. Euh, mais sur le coup, moi, j'ai fait un saut, je ne m'attendais pas à ça, je ne connaissais pas le band, puis au vu de la pochette, euh, puis de mes préjugés, euh, clairement, je m'attendais à du Black Christmas au fi un peu, c'était à ça que je m'attendais à la première vue. Puis, Asti, quand je ne pas pour ça, à ce moment-là, fait que je suis décollé. Je la misère à apaiser ce play. J'étais comme ça, Asti, ça me tente pas, même ça va être encore du Christ, de Black TP sur Tape Deck, de marge. Puis tout le monde va dire que c'est le bout du cul du Christ, comment que c'est bon, man. Puis je vais être en tabarnak. Non, à mon grand bonheur, Asti, ah, une minute, ça décollé, un bon cheese euh, d'en face parce que Chris, probablement, le son est bon. La base est là. Asti, enfin, un Ben qui Jason Newstead, pas sa baisse, Chris. Bon. Euh, puis, des fois, dans le Black Trash, euh, la baisse est souvent comme. C'est souvent juste un élément-là pour mettre du coffre à ton son, puis être euh, abandonné, mis de côté. Puis là, c'est des hosties de runs euh, la base, le drum sont carrément dégénérés, même comme ils sont bons, puis bien faits, bien travaillés, bien variés. Parce que tu peux souvent arriver euh, avec des, comme Mike euh, Contrarian, à la semaine passée, comme Yolin vient de dire, ça venait du, euh, ça venait d'un foutoir sonore, tellement tout le monde voulait se filer dessus en montrant qu'on peut shredder en même temps. Mais euh, st la stratégie ici est tellement bien pensée, comme euh, moi je l'ai filé, c'est que quand la base faisait sa run, la guide a à son riffing le plus simple. Là, la base revenait à son riffing simple pour laisser la guide faire sa ligne puis faire sa progression. Alors ça, c'est écoute, c'est digne des plus grands tacticiens, ça là, c'est le secret des bonnes architectures musicales, je veux dire, à m'amener, c'est ça. C est, c est... C'est de ne pas se piler dessus, de ne pas se noyer soi-même, tu sais, ça fait bizarre comme, comme comparaison, mais c'est tu sais, comme soi-même si crisser dans une piscine avec un bloc de béton attaché après les pieds, il faut être imbécile en tabarnak. Tu sais, là, tu ne remonteras pas. Mais tu sais, c'est ça, il y a du monde de même sti, qui ont compris comment que ça marche, puis c'est malade Parce que Chris, qu en plus le fait que je m'attendais à de quoi que je n'avais pas le goût d'écouter, qui a viré complètement à l'opposé à quelque chose que j'avais créément besoin en fait, d'écouter, de découvrir et d'entendre. En plus du Québec, en plus en français en plus c'est bien produit au niveau du son technique tout son calisme bien il euh, y a beaucoup de riffs ultra catchy puis là ça, là je reviens sur le feeling punk au sens vert d'oreille puis ça dans le black dans le trash c'est pas nécessairement tout à commun à cause de la technicité de la lourdeur de l'agressivité on rajoute des points de main. puis Asti, c'est tout le temps on dirait que tout le temps avant tout ce qu'on va penser ça va être faut que le riff rentre dans la tête du monde forcé c'est comme une agression sexuelle des oreilles. Asti, sans consentement, ni lube. On rentre dans votre tête, sans permission, ni clé. Asti. Euh... Puis c'est ça que ça me fait un peu. C'est comme si on m'aurait défoncé le tympan au tournevis. Puis moi, je m'en viens chez vous, puis c'est tout. T'sais. Puis c'est hot dans ce sens-là. Là. Euh, c'est des belles montées en harmonie, hein, en plus, crissement surprenante des bouts, de la façon des choix, des, 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 des mélodies, des gammes utilisées. Les solos sont crissement bons, sont techniques, mais oui. pas au sens. Euh, je veux montrer que je fais des arpèges puis que j'ai joué plus de guitare que je me suis crossé. Tu sais, c'est ça. Il y a une balance masturbation-guitare à manier qu'il faut arriver dans la vie pour que la vie vale la peine d'être vécue. Tu sais, moi, tant qu'à moi, il faut jouer plus que jouer. Vous Ah, c'est une des meilleures phrases que j'ai entendues de ma vie. Yeah. Puis. Euh... Oh. <laughs> C'est ça, puis les solos sont jamais trop longs. Tu moment mané, tu travailles avec un solo de deux minutes et demie, tu dis, Chris, là, il était bon, il 2 deux minutes, mais 30 secondes, c'était assez. C'est ça, c'est la tactique, elle est là, man. Si le gars a été un, un militaire, ça a été un général Patton, genre, parce que tout est trop bien pensé, puis bien placé. C'est les vocales classiques pour le genre, oui, mais comme Yolain l'a dit, Chris, d'un beau vocal, bien exécuté. Il euh, y a un petit peu, Tu sais, c'est un petit peu tout le temps le même vocal, mais vu qu'il y a une rythmique, puis une cadence au vocal, puis certains petits tons subtils qui sont mis dedans, le fait qu'il ne vient pas comme une impression de répétition, de monotonie, il s'en sert Chris bien. Et Chris, je ne sais pas comment le dire plus que ça. Là. Le, le, le gars, le gars c'est une machine à, à riff complètement. Là. Je ne sais, sais pas si ça y sort par les oreilles ou par où, mais on dirait vraiment que c'est comme... Un gars super inspiré, parce que Chris, c'est un EP de malade, là. Puis je pense que ça a bien fait qu'il fasse un EP et non un album, peut-être. Peut-être qu'il aurait pu, en étirant la sauce, il aurait pu tomber oui. dans le piège, justement, de la longueur. Puis euh, ça m'a pas comme pas fait il y a comme... On a toujours un band qui nous vient en tête quand on écoute quelque chose. Hey, « ça ressemble à ce band-là un peu. » Ça ressemble dans... à pas grand-chose. Non, il y avait comme... Tu ça empruntait un peu à tous les râteliers, mais sans qu'en sans quand même voler à rien ni à copier, calquer rien. Tu voyais, il t'influençait un peu par ci, 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 ci puis ça, mais il sonne comme fuck personne, en fin de compte, là, parce que je suis pas capable, Tom, de faire, hey, ça me rappelle exactement tel Ben ou tel album. C'est beau un, un beau signe de créativité. T'sais, tu sens la source, mais par l'interprétation, le résultat est unique, un peu, tu sais. C'est très belle découverte pour moi aussi. Puis j'ai ouais. vraiment, vraiment tripé. Hey, en passant, je me suis ouvert ma, ma troisième bière de la soirée. Puis on vient d'en parler de la chasse peinte. Fait que je viens de m'ouvrir la Entre les branches IPA forestière. Fait que ça, ça goûte l'épinette à, à souhait. Là. Ouais, tu filais corde de bois à soir. Ouais, je filais, je filais dans le bois. Tu sais, ma première bière, c'était par les grands bois. Oh. Après ça, forestière. For... Je suis dans, le... dans la forêt. Je m'ennuie suis Skin de la Ouais, petit king, king de Bouchon, Bouchon ce soir. Exactement. Comment? Je me dis que c'est juste digital, pas de CD. Euh, je veux une cassette à ce titre. De... Je, veux, je, veux, ah, je veux un CD oui. de ça. Maudire. Ben, anyways. Cassette ou okay. un CD, Asti, appelle-moi le J, je ne sais pas quelqu'un, Chris, mais fais une quoi de physique avec ben ça? Ben, Georges, tu viendras, tu viendras dans le chat dimanche soir parce que c'est lui, je reçois dimanche soir au podcast. Oui. On va, on va le harceler, on veut du stock. Ah, je vais juste popper out, Asti, fais une cassette ou un CD, mon gros tabarnak, puis je vais décoller. <laughs> c'est intimidation, là. Primaire, oh, oui. là. Puis, puis après ça, tu vas y envoyer dans ses messages privés, Facebook. Cassette. Ouais. CD. <laughs> cassette. Je vais envoyer des aspects ce style de mon anus après que j'ai chier avant de m'être dessuyer va être malade. C'est parfait. Je t'en envoie à tous les jours tant que t'as pas fait un tape ce <laughs> euh, Donc, Max, je te laisse embarquer là-dessus. Je, je vais être. Euh, j'ai aimé ça, mais je vais être moins hype que genre. Euh, ouais. Moi, j'ai trouvé que c'est un hippie d'exploration. Il euh, n'y a pas une tune qui sonne pareil. Ça explore beaucoup de trucs. Ça explore le black. On entend du trash. Même la dernière tune, euh, j'ai trouvé qu'elle touchait un peu au pose black aussi. Mm -hmm. Avec des, des trucs plus ambiants dans le son. J'ai trouvé ça vraiment bien. Puis ça sonne vraiment comme une tonne de briques. Puis c'est cool parce que le gars est tout seul. Puis c'est rare qu'un gars tout seul, surtout ben local, qui sonne aussi bien, c'est rare. Là. C'est euh... hot, man. Chapeau à ce gars-là pour vrai. Puis, par contre, il y a une tourne qui m'a laissé un peu perplexe. Puis, quand la fois, que je l'ai entendu, c'est les loges du cuivre. Comment ça commence je suis comme, Où c'est qu'on est rendu ben C'est ça, je disais, c'est industriel, quasiment nous metal. Comme ouais, ben c'est ça. Tourne. Mais t'avais dit, dit, dit la première tourne, mais en réalité, c'est la deuxième, right Ben j'avais dit euh, la deuxième. C'est la deuxième, je pense. Euh, logique. C'est la deuxième, ok. Excusez, excusez. Euh, c'est le genre de, de projet que je trouve qu'il y a énormément de potentiel. Là. Euh, moi, par contre, si ils vont faire potentiellement un album, je dis, ils vont. Lui, il va faire un, potentiellement un album. Puis je pense qu'il faudrait peut-être plus de lignes directrices. Parce que je trouve que là, avec ce EP là il essaye plein d'affaires. Voit, on voit qu'est-ce qui marche, on voit qu'est-ce qui marche peut-être un peu moins. Mais dans l'ensemble, c'était vraiment cool. J'ai eu du fun avec ça. Puis l'avantage, comme tu as dit, c'est que c'était pas trop long. Non, non, euh, c'est parfait. C'était pas ça. 40 minutes oh. de Acid King qui paraissait comme deux heures. <laughs> que tu pouvais, tu pouvais te taper ça une shot après l'autre, puis c'était pas si pire. Okay. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un beau display de qu ce qu'il est capable de faire. Mais j'espère que la prochaine fois, il va vraiment exploiter qu ce qu'il sait faire le mieux, puis il va vraiment aller vers cette direction-là. OK. OK. Doc Pauvre, embarque. Là-dedans. Puis là, non, je, je suis Je que tu étais là cette semaine parce que j'ai l'impression que de la liste, quand tu as vu les styles, qu'est-ce qu'on fait, j'ai l'impression que celui-là a sorti du lot juste en lisant la description. J'ai hâte, hâte que tu écoute, écoutes. Les écoute tout le temps en ordre qui Nous vont si. apparaître sur le podcast. Si. J'avais hâte d'arriver, surtout, surtout après Acid King. J'étais comme. <laughs> C'est pas le temps de me décevoir parce que là je vais être très temps. Tiger Pouave! Sacrément, c'est en feu! C'est-tu la, la mascotte du tigre géant, ça? Ou euh... Ça devrait être la nouvelle mascotte ou, du tigre géant. Ou, ou c'est genre comme dans Street Fighter, Tiger Punch! <laughs> Mais c'est Tiger Punch! Hey, c'est un peu l'inverse de King dans Tekken, au lieu de juste avoir une tête de. De, 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 tigre. De, 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 pan, de Panthère. Oh, oh, oui. C'est l'inverse. <laughs> wow. King, Et... pas Tiger King, King Tiger. King Tiger. Cet album-là, Right Off the Bat, c'est maudire, c'est une belle petite découverte pour moi. Euh, déjà, quelqu'un qui sort plusieurs EP, parce que j'ai vu, je pense c'est son troisième, quatrième. Troisième EP. Troisième EP. Quelqu'un qui sort plusieurs EP au lieu d'un full-length qui est blotté ça gagne déjà en partant pour moi des points, là, vous savez mon amour pour les EP euh, c'est un mélange de riff black, un petit côté j'ai vu que tu sais, Metal Archive disait thrash il y a des petits côtés thrash avec un style de vocal par bout euh, il, y a, il y a même des petits segments de vocal, tu sais, on disait qu'on avait de la misère à mettre peut-être un mot il y a certains passages que euh, ça me faisait passer un petit peu à du L-Ripper, par petit souspoudré, sur peut-être un peu euh, de, de, comme, du de, de petit côté comme, griseur, sou, ouais, la un petit peu speed euh, speed metal aussi, par bout, vraiment, vraiment léger, mais c'est un espèce de mix de, de tout ça. Euh, moi, tu vois, au lieu de mettre euh, tech comme style, j'ai mis pro, un peu plus progressif. C'est mm. comme les espèces d'envolées qu'il y a dans la chanson euh, 5, qui est CH4, là, euh, méthane pour les scientifiques dans la place. Là. Cette chanson-là, il y avait ah, je pensais du... que c'était le Canadien quatrième ronde. Non, ça veut dire c'est le signe pour euh, métal, pour les sciences. <laughs> méthane. Métal ou méthane? Méthane. Méthane. Comme, euh, comme le gaz. OK. <laughs> fait que ce <laughs> c'est un pet. Pro probablement. <laughs> un, un bon pet. Un bon pet, mais avec des, des envolées, peut-être un petit peu un petit peu trop. Pas trop, mais tout à il euh, y a une bonne balance entre le, le, le côté comme black, thrash aussi euh, même pas que par bout je trouve qu'il aurait pu euh, pousser ce côté-là un petit peu plus par contre, c'est ça, moi j'ai noté l'espèce le, de côté comme tu disais Yolin euh, prog, moi, euh, tech moi j'ai marqué prog, c'est peut-être ce que j'ai le moins aimé j'aurais pris plus de, de, de riff parce qu'il y en a des solides sur ce EP-là avec un petit peu moins de, de ces envolées-là. Envolées je ne peux pas dire que j'ai détesté ça non, non plus. C'est toujours intéressant de voir quelqu'un qui amène le genre qui est principalement du black, euh, black metal euh, à quelque part d'autre avec une originalité comme ça. Là, comme, euh, je pense que Georges a super bien décrit le, la chose. Là. Je trouve que c'était un bon mix. Il a amené ça à quelque part euh, qui était quand même intéressant. J'aime personnellement peut-être mon black metal un peu moins intelligent. Mais on peut, ne on peut rien enlever au, au musicianship euh, là-dessus. Là, C'était de haut, 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 haut niveau. Là. Euh, pour un one-man band, je sais pas, pas est-ce que c'est lui qui fait aussi la production? Euh, je n'ai pas tout trouvé ces infos-là. J'ai checké Bandcamp partout, puis c'est n'est pas noté. Pas... J'ai l'impression <laughs> que c'est lui qui fait tout. Parce que si ben, dans, dans les deux cas, comme je veux dire, ça sonne très bien. Si c'est lui qui fait la, la propre composition, euh, instrumentation, puis production après, c'est encore, encore plus insane euh, selon moi. Parce qu'avoir un, un mix euh, métal noir et thrash metal qui sonne bien, je veux dire, j'en écoute beaucoup des trucs là, par mois. J'en écoute beaucoup des EP par mois. Puis trouver, euh, trouver des trucs qui sonnent comme ça, là, ça n'arrive pas souvent. Ce n'est pas toujours agréable. Comme ça, surtout quand tu commences à mixer, tu me dis que tu vas mixer du black metal puis du crash, souvent ça sonne comme ça, ça sonne tout croche. là. Euh, encore là, j'ai noté musicianship est incroyable la base, genre je le dis, la bass. Donne-moi ça, donne-moi ça encore plus, crinque clair, la deux fois plus fort. Euh, exactement la même chose. Quand la guitare commence à se calmer un peu, la bass qui embarque, quand la bass commence à se calmer, la guitare... C'est un jeu de génie, <laughs> selon moi. Là, ça sonne ultra, ultra bien pour ça. Euh, honnêtement, là, over, mon overall, je n'ai pas tant plus de notes que ça. Parce que je pense que tout a pas mal été dit, qui est à répéter. Là. Super belle écoute, surtout pour les fans, euh, les fans de black metal, mais qui aiment leur black metal un peu plus pas trop casio, pas trop low, raw black metal qui veulent un peu de diversité là. super super belle écoute il y a quelque chose à aller chercher là il y a quelque chose à découvrir là c'est officiellement l'album que j'ai écouté le plus cette semaine ouais, je, je m'en doutais, doutais. j'aime ça j'aime ça les écouter 1 2 3 4 1 2 3 4 mais quand je commence à vraiment rentrer dans les reviews ceux là j'avais littéralement fini de prendre mes notes là puis jouais puis jouais puis jouait, puis jouait, puis jouait. Fait que euh, non super euh, super belle découverte pour moi. Hey, Simon vient de drop un d'image dans notre chat privé. <laughs> vous voyez, je vous voyais aller. Là je me suis dit je suis pas en train de dire quelque chose de drôle mais le chat est caché. J'ai vraiment vraiment envie de l'ouvrir là. Non je vais pas l'ouvrir là c'est pas c'est pas, pas facile. Des non, non, non. <laughs> Simon, mets ça en vrai. Montre-les. Montre l'image de Georges. Une chance que quote. je ne l'ai pas vue. Oh. <rire> 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 oh my God, que c'est bon! <laughs> ah. Est-ce est, que je peux avoir une copie du meme quand on pogne des affaires tech-deck de crossage de mange à puis finir? J'ai le juste de mettre ça. C'est comme... C'est l'image parfaite pour faire comme gars, t'as trop joué dans la vie. Faut plus jouir que jouer dans la vie. Ah! C'est un message à Phil Rock, ça? Non. Oh, oh. On t'aime si t'écoute en différé. Euh, on so t'aime, mais je Phil... t'en veux pour El Ripper. je suis certain non. que Phil se crosse énormément. Arrête de dire ça fait d'hommes. <laughs> même. <laughs> J'embarque dans mes top tracks. De calice. Euh, OK. Numéro 3, j'ai mis la deuxième, l'éloge du cuivre. En deuxième, oh. j'ai mis la cinquième, un pet. Et en <laughs> première position, j'ai mis la troisième, résidu. Résidu? Oh, oh est-ce que je l'ai mis, cette tonne-là? Pour vrai, là, injecte-moi, papa, yo, je trompe. D'où oui, tu parles, mais d'où dis, en t'es en feu. Euh... Mais ouais, résidu, euh, Jack Mosson et direct, cette toune-là en loupe, s'il vous plaît. Je la trouve tellement fucking bonne. Numéro un pour moi. Georges! Euh, on doc une fois. En trois, j'ai mis Toxic Cloud, euh, Bonfield Trash là dedans. En deux, j'ai mis Regarde au ciel. Mm -hmm. Et en un, j'ai mis L'éloge du cuivre. Ouais, bonne. Soirée, euh, non, c'est sérieusement. Euh... Ben, en fait, c'est un hospitalité, <laughs> hey, euh, back-à-back, là. Euh, c'est. C'est « Flawless », pour moi, « Flawless Victory », comme on disait dans Mortal Kombat. Parfait, ça. Max? Euh, ma troisième, quatrième, euh, « Regarde au ciel ». Ma deuxième, c'est ta première, c'est euh, « Residue ».« résidu <laughs> Mais il y a un « e » à la fin. Il n'y a pas de « e » en français. Ouais. « résidu Puis, ma première, ben, c'est un « pet <laughs> ». Parfait. <laughs> euh, Doc? Euh, moi, j'en ai mis deux parce que, le, honnêtement, j'ai eu de la misère à choisir. Puis, là, je me dis, on est sur un EP de 5 tonnes, bon, on va pas commencer à mettre 3 tonnes, on va se calmer. J'ai mis la deuxième, euh, Toxic Cloud, la première, parce que je trouve qu'elle commence l'album, puis tu sais ce que tu vas avoir jusqu'à la fin. Puis, la première, j'ai mis euh, Regarde au ciel, la quatrième. J'ai marqué une des chansons qui mélange vraiment bien euh, le côté Black trash Ensemble. Intéressant au niveau des vocales aussi. Je trouve, je ne sais pas pourquoi, mais celle-là, quand il. Euh, les vocales deviennent un peu plus. Je ne vais pas te dire claires, mais tu, sais, tu comprends ce qu'il dit euh, quand il va dans les, les vocales plus raw. Puis euh, à chaque fois, c'était des frissons. J'écoutais ça, j'étais comme OK, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On a, on a compris. Il est lié mon ton un peu, c'est correct. <laughs> All right. Donc, j'y vais avec ma note. Euh, un solide 8.5 sur 10 pour moi toi Isabelle, écoute, euh, quelque chose que, honnêtement, je vais revisiter et revisiter. Puis s'il si y a un CD qui sort, euh, je vais peut-être le chasser. Je vais peut-être aller me chercher ça. Je moi, cassette. Euh, non, je veux, je veux un CD, moi. Je veux un ou l'autre, mais euh, cassette. Je veux, je, veux, je veux quelque chose sous <laughs> la main. C'est quelque chose que je trouve important. Produit de notre terroir en plus. Donc, euh, à 100%, je veux, je veux ça physiquement chez nous. 8.5. Pour ma note. Georges? Euh, oui, bon, on, on doc sa note aussi. Écoute, euh, c'est un style qui peut être tellement linéaire et pas tant bon quand c'est fait moindrement pas sérieusement ou trop rapidement. Puis c est, c est, je trouve ça super pensé autant au niveau créatif, mélodique, pour que c'est mélodique, mais au niveau des, des, des tons, des mélodies, des tons, c'ti. Puis côté rythmique aussi, c'est parce que c'est pas tout le temps sur la même cadence ou tout le temps sur le même beat, mm -hmm. Fait que ça, dans genre Black Trash, normalement, c'est que bon, ben, on blasse, OK, bon... Euh... Euh, tout à trash, euh, ok, un peu de tout step mais à part ça, on a pas mal les trois beats de base, ça finit là. là c'est pas le copain en tout. Fait que, man, c'est ça. C'est tout le côté, je un créatif, originalité, puis euh, euh, le fait que c'est bien blendé aussi intelligemment. Ça, moi, je donne un 8.5 aussi. Puis avec une cassette ou un CD, je monterais à 9. Et voilà. Max, moi, je suis un peu plus bas que vous. Euh, je suis à 7.5. Euh, J'ai aimé mon écoute. Mais j'ai surtout hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire plus tard avec un, euh, son poignet full-length. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il qu qu peut nous apporter euh, avec ça. OK. Poivre. Pour moi, c'est un 8. Honnêtement, je pense que quand je vois arriver dans mes écoutes comme de fin d'année et tout ça, ça se peut que la note monte un peu aussi. Euh, Puis je serais vraiment, vraiment curieux de le voir sur un projet vraiment raw black metal. Enlever comme le côté un peu plus, tu sais, l'espèce de mélange, thrash, tout ça, puis aller dans un comme un gros black metal, casio, sale, qui pue à la cassette, comme George Jack qui, qui a l'air de t'aimer. Euh, moi, j'aimerais ça le voir là-dedans, avec les riffs, tout ça. Je pense que ça serait un projet qui pourrait être intéressant. Mais sinon, un 8 qui va honnêtement probablement monter sur un 8.5. Je m'écoute parler, puis je pourrais quasiment donner un 8.5 tout de suite. Félix, si? Je vais rester rester un 8. Bon. je suis chialeux qu'il note bas fait qu'on y va avec un 8 c'est parfait comme ouais. ça donc merci messieurs pour ces beaux reviews en fait, la Mais semaine là, elle a pas été facile avec les autres bandes qui étaient non, plus non une chance une chance que Maudire était là ouais, ouais c'était un... ouais. ouais. la bonne c'était la bonne écoute vraiment tripante de la semaine genre je veux dire c'était ma meilleure plein. note pareil même avec un 75 c'était ma meilleure note ouais, ouais. c'est ça et moi, j'aime ça être challenger aussi quand tu décolles un album avec une fausse appréhension tu fais Ah non! Et là En deux minutes, tu fais Ah ouais, ça, Moi j'adore ce espèce de feeling de feeling-là de, feeling de m'être trompé là, en fait. Là, là tu as l'impression d'apprendre et de grandir. Oui. c'est parfait, puis c'était le fun. C'était vraiment le fun. Parce que moi aussi, ouais. je m'attendais. Moi, je m'attendais à du raw black metal, là, ah, avec la pochette, là. C'était. Si, j'aime ça du Black euh, Raw, là. là je le filais pas d'écouter ça. J'étais comme encore tu sais, le genre d'album qui fait pourquoi j'ai dit oui à ce à journée-là. Mais euh, grand bonheur, euh, grand bonheur dans l'erreur, écoute, et voilà. Et voilà. Donc, euh, Georges, qu'est-ce qui t'a fait triper ces temps-ci, mon chum? Euh, beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de choses, quoi, j'en ai tellement écouté à cause justement. Non, de... non mais commence par C'est quoi que tu viens de faire là, le week-end passé? Ah, Bon, on t'allait jouer, vous ben, savez un peu, là, on t'allait jouer à New York, un festival euh, au OSU Extreme Fest, euh, qui était le numéro 2 du East Coast Grand Core Alliance, à New York, euh, dans le Queens, au Trent Speco avec euh, Neuf Old Ben. Euh, là, je ne peux pas toutes les nommer vite fait, là, mais il y avait Triac, euh, Ground, Tost euh, euh, Aside, Malignant Nerve, Fasti euh, Unhinged, euh, Commierda, euh, Moisturizer, puis là je les ai presque toutes nommées en fin de compte. Mais il m'en Ah, Backslider. Ok, vous les avez toutes. Fait qu'en fin de compte, ouais, c'est ça. Puis euh, écoute, autant qu'un voyage de même, ça peut être euh, catastrophique, que ça peut être le fun. Nous autres, ça a été juste fuck parfait sur tous les niveaux. Euh, la route s'est trop bien passée. Les douanes, je ne m'en rappelle même plus parce que ça n'a pas pris une minute. On n'a même pas attendu. La fille regarde les passeports, salut des colis. Alors, ça, c'est le fun. J'ai tout amené mon équipement. Puis au retour, ça a été la même affaire. À part que le gars, tu comme ses pieds. Bon, on s'entorche. Il n'y avait juste plus le goût d'être là. là. C'était juste un gars fatigué de son chiffre. Oh, ok, c'est beau. Signez vos passeports la prochaine fois. C'est tout. La, la belle route, parce que quand tu rentres aux douanes, tu traverses les Adirondacks. Puis après ça, les Catskills jusqu'à New York. C'est deux de belles zones, un peu comme le parc des Laurentides, des places de même, où c'est des asti de vieilles forêts. Feuillus, puis avec un peu de pain. C'est vraiment juste magnifique. Fait que, euh, ça ressemble bien. un peu à genre ma canette. Pas en tout. zéro fuck-all, mais bon, je te parle Et de... <laughs> <laughs> <Mais>, euh... <laughs> Puis en fin de compte, bah, c'est ça. Écoute, euh, on avait une super belle position sur le fest. Le fest était sold out. Fait que la salle était pleine. La réaction a été malade. Le son était bon. Malgré qu'on n'avait pas notre équipement, on s'est clenché un set super tête. On était seul à faire un son de check. Le gars il était à nous en donner un pour que tu sais, les, les petites euh, spécificités à Fredo puissent être sûres qu'il fonctionne parce que c'était des choses. Écoute, notre set, normalement en jam 22 minutes. Normalement en chaud, vu qu'il fait plus chaud, plus humide. Des fois, on laisse un peu, un peu plus de latitude à Fredo, c'est lui qui dit OK, là, c'est bon, j'ai plus mal au bras. 25, 19, 32, c'était tout joué. Ça vous avez Alors, ça, un les six ah, ouais. si speed. Si on a joué vite à Ottawa, ben, on a joué encore plus vite là. Je ne sais pas quel genre d'adrénaline qu'on a bouffé là, mais euh, c le monde là-bas était tellement fin. En plus, le, le Airbnb, on était logé nourri. La place était clean, tranquille, propre. Euh, dormir à New York, les fenêtres ouvertes pour pas entendre un cris de son de la nuit, je ne sais pas ce qu'on était. Pas sûr que c'est la norme. Euh, je ne sais pas ça était... c'est New York finalement ouais c'est ça <laughs> puis, euh, on était nourri puis c'était comme le, le père Achitis qui a un restaurant népalais c'est des népalais Chépagne en passant puis ils sont, sont... puis c'est toute la, la bouffe népalaise et himalayenne euh, 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 traditionnelle qu'il y avait c'était bon en tabarnak c'était fuck épicé mais c'était bon en lisse. Euh, c'était nice. juste 10 sur 10 ça... puis on a même fait un petit peu d'argent au bout de ligne t'sais, on n'a même pas calé de cash 0 fuck out. Et voilà! 27 pièces de profit. Mais tu sais, c'est ça. Puis euh, écoute, c est, c est, la des, ça la trop bien noté. En plus, l'ambiance en nous autres, tout, ça a, zéro stress. C'était juste le fun. Fait que là, ça donne pas le goût d'y retourner si quelqu'un nous, nous donne une offre. Parce que c'était trop juste parfait. On va pas péter ça. Nice! Ça. Hein, Pierre... Puis à part ça. À part gros euh, ça ce ben beau là, là. Du grossoir, Je vais y aller vite pour le sachant la toujours. Euh, un band du New Jersey avec lequel on a joué là-bas, Ground. Euh, Habitual self, self Abuse. ça, si vous avez votre grindcore avec des tabarnaks de gros breakdowns qui t'usent, là, mais qui t'usent. Asti, qui sont bons, les gars. En plus, c'est un espèce de one-sided. Je vous me veiller avec, avec une, une grenade. Oh, euh, oh, nice. Oh, chier, es Astique, il est beau. Asti, qu'il est beau. En plus, euh, j'ai ramassé, il était, pas, il était pas là au show, mais euh, ils viennent de le sortir sur JC Dlingty, sur Grouka Commando de la Steam, le label au Godshepang, mais c'est le nouveau de Ben Dittman. Euh, ah. C'est pour ça, pour ceux qui aiment dans la vague, je te mets Pig Destroyer, vraiment en tête, avec de la grosse guite et du gros drum, vous allez être servi. Gene Mayer, le chanteur, était là, en fait, il présentait les Ben avant, c'est un humoriste et un psychologue, et qui faisait comme des présentations de comiques. C'est un espèce de splatter, vraiment louche, Je fais vraiment psychédélique quand il tourne sur la table à vinyle. Puis, Asti, essayez-les, c'est du grindcore de musiciens, vraiment de qualité, super bien TP, avec des Asti drift de guette, des slicks de drum, C'est le drummer de Chapagne, en fait, qui a enregistré avec eux sur l'album. Wow! qui euh, le show aussi, j'avais pas encore leur nouveau, j'avais plusieurs autres stocks de drums, le nouveau de Triac, Pure Joy, ce qui, je euh, veux dire, ça fait vomir, hein, son, ça fait, mais ce n'est pas du gore grind, ça fait des affaires de gars, c'est vraiment euh, la grosse crise gros, de défense de qualité. Ensuite, là, j'y viens vite. Le nouveau de Chopin, ah, qui est un double LP, qui est Swata. Puis là, tous leurs derniers albums ont été écoute, des critiques du tyrannique, que ce soit de Décibel. Oh, il est beau! splatter. Oh, shit. Double LP. Et Asti, je suis bandé parce que moi, j'ai une chanson là-dessus. La track 19. Je ne sais pas, je, je t'en avais compté un peu. Georges Tremblay, ça va être dur d'avoir un tabarnak. Mais euh, parce qu'on m'avait donné, euh, parce que le, le, le side C, dans le fond, c'est tous des musiciens de leur ami, qu'eux autres ont, ont, ont pris une traque de drum, ou j'ai eu le drum d'un Chinois quelconque, je ne me rappelle pas son nom. Euh, euh, Uni Joe, guitare par Georges Tremblay, additionnel drum par Colin Marston. Parce que Colin Marston lui... Euh, il reprenait tout ça, puis il remixait, puis il refaisait des arrangements, puis le chanteur de Champagne il remettait des, des, des paroles ça À un moment donné, je vais partager le vidéo de mon enregistrement de Madrid Baguette au studio, puis euh, c'est ça. Puis encore, lui, le, le dernier sorti il a été coté neuf à partout. C'est vraiment du grindcore de qualité pour les fans, plus de, de gridling, euh, c'est très déconstruit sur la structure, c'est quand même assez technique dans le sens que c'est super pensé, puis mathématique des bouts euh, c'est tout en épalant, en plus, c'est vraiment le fun à entendre, avec des, on ne comprend rien aux paroles, mais bon. La pochette était écœurante aussi. Elle était écœurante. Puis un petit arfa se ramasser, c'est une pin, mais ça, c'est pour les tri peu de films, puis je vous le dis. Euh, si vous aimez le Saint-Wave, puis l'ambiance, puis euh, les soundtracks, je me suis ramassé ça l'autre jour à Trois-Rivières à un prix ridicule de 5$, d'un film classique que j'adore de William Friedkin. Si vous ne l'avez jamais vu, allez voir ça au coup tabarnak, c'est des films là, avec une tension plus insoutenable je jamais vu, qui a fait ça après l'exorciste 1, c'est La trame sonore de Sorcerer. C'est mm -hmm. oui, un bon oui. film, puis la trame est sonore a signé Tangerine Dreams. c'est bandant de la première à la dernière minute. C'est tellement bon, là. si qu'elle est bonne, la trame sonore. Puis euh, le, autant que le film, euh, c'est dommage parce que William Friedkin raconte dans la pochette que s'il aurait connu Tangerine Dream dans le ton Exorciste, il nous aurait il leur a, il leur fait faire le score de The Exorcist, en fait. C'est un peu chien. Mais bon, puis euh, je vous le conseille énormément en tant que film. Si vous filez une soundtrack vraiment années 80, Saint-Wave Dark en hein, Tabarnak, go for it, puis Tangerine Dream, après tout ce qu'ils ont fait, est tout le temps un Nasty Chef de toute façon. C'est un, un genre de band, si on veut, plus studio un peu, plus qui fait des soundtracks des albums de rock cliché. Là. Euh, écoute, c'est un nasty de bon album. a 5 pièces en couche, j'étais bandé comme un chat. C'est un, un vol. T'as fait un vol. « Ah, man, <laughs> euh, metal punk à trois guerres, si tu fouilles, c'est ça du temps, man. Il y a de quoi se trouver des bijoux là-bas à, à des prix euh, malades. Là. En plus, ils sont négociables un peu, puis tout. Le gars est super smart. Si euh, Chris, man, c'est le... Non. « Damsalar de Sorcerer », le nouveau Chopin, le nouveau Triac, le nouveau Bandit pour les gros fans de Grindcore, grosse musique. Puis « Ground », man. Ground », si vous avez envie de « Breakdown » qui dessus dessus, avec une coupe de blase à l'halluciné, man. — Nice! — je j'ai vous parler. — Merci pour ça, Georges. Euh, Max, qu'est-ce qui t'a fait triper ces temps-ci? Ça va être crissement plus court, je <laughs> <de mon bord. rire> Monsieur... J'ai pas goûté euh, grand chose cette semaine. Euh, je suis tombé sur le nouvel album de Atavistia, qui est un band de Vancouver. Oui, j'ai vu ça passer. Et euh, ils viennent de sortir un album qui s'appelle Cosmic Warfare. <laughs> <laughs> Georges <laughs> à New York! <rire> <rire> Ah, oh, à... oh. oh, ça c'est un des meilleurs ce soir. Ah, oh, j'aime ça. Ah, oh, c'est bon. Simon oh. est un meme lord. On lui donne oh. le titre de meme lord ce soir. Ah, un Georges à New York. <laughs> J'ai goûté. Envoie, clé, on a envoyé la royauté québécoise à New York, puis c'était Georges. C'était Georges. Ben, oui. C'est le meilleur qu'on a pu envoyer. <laughs> c'est ça on okay, a envoyé continue, ce qu'on pouvait continue Max, continue, Max je oui 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 c'est ça que je disais euh, Atavistia c'est un band de Vancouver ils ont sorti un album euh, la, la semaine passée je crois qui s'appelle Cosmic Warfare et il y en a bien qui disent c'est c'est très Winterson Worship et il y en a bien qui ont dit euh, Time 2 de Winterson, c'est Atavistia qui l'a sorti c'est ça oui c'est ce que j'ai vu aussi puis euh, c'est un band que je vais écouter, C'est une musique très, très dense. Mais c'est ça. Si vous aimez winterson vous allez adorer ça. C'est évident. Oh. Puis sinon, j'ai pas écouté grand-chose J'ai sorti mon article de, de Torium euh, lundi. Fait que c'est ça Tu l'as écouté... tôt, cette fois-ci. Ouais, ben il fallait que je me t'aime un peu avec euh, la, la fin de mois, là. Fait que euh, j'étais sorti, censé sorti, je... le sortir jeudi, puis j'ai fait oh, « Regarde, je je me rusherais pas. En plus, j'avais mis... sais J'ai ça, pouilleux, puis vous autres, fait que je voulais vraiment timer ça comme du monde puis pas hey, overload. shout-out à Kid qui vient de nous drop un petit don de 2,79$. Merci, Kid. Merci, Kid. Très apprécié. Puis euh, C'est ça, j'ai écouté plein, plein, plein d'affaires, mais vous irez voir l'article. Fait que ça va donner une idée. Euh, puis je sais que tu as fait watch la dernière fois, mais on a continué notre, euh, notre streak de Marvel. Fait que voilà mais On right. ne on se tape pas les séries, par exemple. C'est juste les films, parce que les séries, c'est récent, puis on les a vues. fait que ouais. C'est comme, comme Wakanda Forever, on ne la repos pas. Parce bon. que de toute façon, c'est pas bon. <laughs> D'accord. <laughs> Doc Poivre, qu'est-ce qui t'a fait tromper ces temps-ci? Je vais faire un George de moi-même. J'en ai beaucoup, parce que la dernière fois que j'étais supposé de passer à Metal Minded, on a manqué d'électricité. Je fait sais. Que moi puis toi, on n'était pas là. J'ai manqué d'électricité littéralement une heure avant le début. Je m'étais je dit, OK, on va le faire pareil. Il y a là, il n'y a pas de trouble, on va être là. Une heure avant, je suis avec Simon. Ouais, j'ai pu, euh, <laughs> pu d'électricité. T'en as manqué combien de temps, finalement? J'en ai manqué euh, quasiment trois, quasiment 72 heures. Presque okay, oh 72. Shit, heures. Okay. Ouais. Fait que le, le premier, par exemple, ce n'était pas la dernière fois. Le premier, c'est un, un band de black metal à qui je veux donner un shout-out, bien évidemment. Orphic, son album Consécration cadavérique. Ça fait, je one man Band. arracher <laughs> Non, j'aime quand même trop. J'ai la cassette aussi, je l'ai reçu juste avant le stream, fait que je suis vraiment content parce que le shout out était déjà là, mais je n'avais pas rien pour pour, pour brag, là, mais, je l'ai reçu juste, juste avant pour brag. Euh, one man band de Montréal qui a sorti son premier album en deux, en novembre 2022, j'ai découvert ça grâce à un viewer euh, sur ma chaîne, Puis, honnêtement, c'est juste insane. 300% dans ma palette, du bon black metal, ça sonne raw, un peu dépressif par bout. Euh, si vous aussi ça vous déprime, qui commence à faire beau, qui commence à faire chaud, que la neige fonde. L'album parfait pour vous donner au maximum, c'est à écouter, George, je le sais que tu n'aimes pas que la neige fonde, fait que c'est pour toi. Écoute Aye. ça. <laughs> okay. <laughs> euh, sinon aussi des, des fois j'aime ça retourner voir mes anciens ratings des albums pas nécessairement aux reviews mais des albums que j'ai ratés personnellement ça fait un bout que j'ai pas écouté puis je suis retombé sur euh, Paisant Pe je pense que oh, je l'ai linké aussi le Orphic Paisant Primitive Black Metal le EP est sorti en 2021 One Man Band de la Finlande euh, le gars est aussi dans Marasmieli je sais que ça c'est un petit peu plus connu dans le black metal euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des influences black metal, mais ça a des influences, qui, euh, on peut dire, métal noir québécois et français en même temps, même si ça vient de la Finlande. Fait que, euh, les premières fois, je pensais que c'était un band probablement français qui avait une influence métal noir québécois. Fait que dans ses compositions, c'est un genre de mix qu'il y a. Ça donne un résultat super intéressant. Le sinon, le deuxième album que. Ben, le troisième album que je voulais euh, parler, c'est Lord Cramridor de Calderum, euh, qui est sorti en février dernier. Ça fait pa aussi partie des reviews que je suis allé comme revoir. C'est un album que euh, j'ai pas vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux que... réseau réseaux, trouve... réseaux sociaux Réseaux sociaux. Réseaux d'aller vite, Yolin, donne-moi une chance. <laughs> euh, que je trouve super intéressant là, pour vous donner une idée. Euh, vous placez-vous, là on parlait de, de GN tantôt, placez-vous sur une colline face à un château de pierre, là, à mmh. environ 800 mètres du château, puis c'est ça que vous entendez. La musique, elle se joue dans le château, mais vous, vous l'entendez, sa la colline 800 mètres en arrière. Euh, c'est le band qui joue dans le sous-sol du château. Il y a du riff, il y a du casio. C'est un délice auditif à recommander pour les fans du genre. Et mon dernier, mon dernier, qui était supposé être la dernière fois. Euh, écoutez le dernier EP de Bloody Keep. Il est 1$ sur au Bandcamp. Achetez-le pour. <laughs> Achetez-le. Achetez -le, il est seulement 1$. Achetez-le pour vos amis. Achetez-le pour votre famille. Voilà. C'est fini. Si... Tous les liens sont dans le chat. Mais. De la mais donc... <laughs> Dude, notre invité de la semaine passée a parlé de Bloody Keep. Je le sais. Quand, quand il a dit Bloody j'écoutais le, 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 le podcast. Quand il a dit Bloody Keep, mes yeux se sont comme ouverts et j'ai dit. C'est moi qui imagine, où il vient de parler, le, le, parler de Bloody Key. Le gars de Beholder et de Sackage vient de parler de Bloody Key. J'avoue que j'ai un standing desk. Puis là, ce n'est pas les moteurs qui ont fait monter le bureau. Ça, je dois <laughs> le dire. Ça, je dois oh, le dire. Oh, wow! wow J'étais content. J'étais content. Donc, c'est mes, mes, écoutes, mes écoutes des derniers temps. J'ai spin non-stop dans ma rotation. Euh, c'est mes, mes, sorties, mes sorties black metal euh, que je vous conseille. Très cool. Ben regarde, euh, pour ma part, j'ai quand même beaucoup mentionné de stock euh, dimanche dernier. Fait que euh, entre dimanche pour aujourd'hui, on s'entend, j'ai écouté ce que j'écoutais pour les reviews. Euh, malgré que je suis euh, vraiment stock sur euh, Baird un groupe de ambient Dungeon Synth néo folk. J'ai tout ça en background, je trouve ça super le fun. Euh, je suis en train de travailler sur des, des, des projets à la maison. C'est ambiant plaisant. Euh, Puis ça s'écoute bien aussi en faisant d'autres choses. Je trouve ça vraiment cool. Euh, Puis sinon, Frozen, mais Frozen, PH. C'est Felix qui avait euh, suggéré ça. Ouais. Exact. J'ai finalement sauté dessus. Thrash Crossover avec une voix très crotée, Vraiment, vraiment une bonne écoute. Super le fun. Bien aimé. Sinon... Euh, côté film, j'ai écouté une coupe d'affaires, mais celui qui ressort du lot, Molly's Game, film de 2017, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais c'est parce que j'étais un fan de films aussi, j'écoute pas juste de l'horreur, j'aime beaucoup les films de crime, drame. Puis euh, c'est un film à propos d'une femme qui était une athlète qui tombe dans la game de euh, René des games illégales de poker avec des stars hollywoodiennes et tout ça basé quand même sur des éléments de vraie histoire puis tout ça, fait que vraiment vraiment très cool, Jessica Chastain euh, personnage principal son avocat Idris Elba excellent acteur Kevin Costner qui joue son père en plus à elle comme un beau gros cast euh... puis si qu'est-ce qui est crime, drame ça risque d'être call pour vrai là, j'ai adoré ça les games de poker sont super intéressantes parce qu'en même temps, ils t'expliquent comme les odds des games en même temps. C'est fucking cool, c'est super bien fait. Bien ben aimé, Marley's Game. Très cool comme film. Euh, puis pour finir, je, à cause de Jeff Mott de Puy of Destruction, je suis pris sur le jeu Infernax. Je ne suis pas capable d'arrêter de jouer. Euh, J'ai beaucoup d'heures de sinking dans la game. Metroidvania très classique, platformer mais ultra gore, très bien construit, euh, belle histoire en plus, puis euh, tu as des décisions dans le jeu. C'est ça qui change beaucoup de d'autres jeux. C'est euh, tu peux y aller full evil, full good, tu peux blender ça un peu, puis ton histoire va changer par rapport à comment tu interagis avec euh, la populace de chaque ville que tu vas rencontrer et tout. Fait que vraiment, vraiment cool. Fait que Merci à Jeff de m'avoir montré ça, puis d'avoir publié quelques petites vidéos qu'il a mises sur sa chaîne perso. Donc, c'est pas mal ça pour euh, ce qui euh, nous a fait triper. Donc, bien sûr, je mentionne l'horaire Metal-minded et partenaire. Et après ça, on close ça. Donc, Horror FM vient de drop une vidéo la semaine dernière sur euh, lui qui souffre sur des ramen. Euh, et je sais qu'il y en a une qui s'en vient bientôt <laughs> par rapport au film Renfield. Donc, je sais qu'il est allé le voir au cinéma. Il va drop un review de ça. Doc Gore a sorti la onzi... le 11e fanzine. N'oubliez pas, allez vous procurer ça. Euh... Je l'ai si vous le voulez au Québec, on n'est pas loin. Ben, je l'ai euh, moi aussi, mais je ne l'ai pas reçu encore. Non, mais j'en ai plein de copies. Ça, OK. Fait que Georges a plein de copies pour les Québécois qui veulent une copie. Contactez-le. Euh, Qu'est-ce que tu vas écrire, là? A sorti une vidéo la semaine dernière. Sur sa chaîne YouTube. Et nous avons un nouvel épisode des Chinoiseries qui drop ce vendredi. Sinon, jeudi demain, on s'en va chez toi. Doc Poivre, euh, sur ta chaîne Twitch. Dimanche, on reçoit Maudir. Donc, si vous êtes intrigué par euh, la review qu'on a faite ce soir, ça vous, ça vous titille. Vous avez des questions à poser, venez dimanche à 8h sur notre chaîne YouTube. On jose avec Maudir. Euh, on retourne lundi doc pauvre mardi Pouilleuf destruction mercredi on revient aux reviews metal minded avec pastoral bird flesh yes. enforced et own quelle grosse oh, la, semaine pastoral dans la même semaine on dans est même pastoral c'est une semaine <laughs> À Grosse gros au semaine. Au Québec. Pastoral, vous direz, en plus lire les paroles, man. Mathieu Dubé, Chris, que c'est un bon écrivain. C'est tellement des paroles de malade, mais si tu peux même pas penser à écrire ça. Pas en jeune puis c'est bien écrit en plus, mais c'est malade mental, raide. C'est un... complètement fou qu'est-ce qu'ils font, euh, moi, ah, bon en plus. Je hey, m'aurais dit, je vais voir une nouvelle Evil Dead, tu vois, moins bonne chance. peut-être me tuer aussi. Oui. Bonne chance, moi, je ne planifie pas le regarder à ce release, je vais attendre. Donc merci tous, merci dans le chat, euh, merci tout le monde ce soir. Vous êtes fabuleux. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se revoit ce mercredi, euh, ce dimanche. Tchuss.